Bonjour à tous, bonsoir à tous et bienvenue. Donc, je vais rapidement présenter l'association Recherche Mimétique pour ceux qui ne la connaissent pas. Elle a été créée en 2005 à l'Académie française en présence de René Girard, qui en a été d'ailleurs le président d'honneur jusqu'à sa mort. Et donc, je suis très contente que cette année, on organise donc ce cycle un peu différent, champ mimétique. Celui qui a ouvert le cycle, c'est donc Jean-Louis Salasque, qui est manager, qui nous a fait une présentation donc de la manière dont il a vécu son métier avec René Girard. Et d'ailleurs, je vous conseille, si vous ne l'avez pas écouté, de regarder sur le site l'enregistrement. D'ailleurs, tous les colloques qu'on a fait depuis 15 ans ont été enregistrés et sont sur le site. Et dans cette présentation, pour ceux qui connaissent moins la pensée de René Girard, donc Jean-Louis en avait fait une présentation très claire. Donc maintenant, je suis très contente qu'on invite Joël Lyon, qui est un fidèle de l'association depuis ses débuts. Hein. Et vraiment, ça me fait très plaisir. Mais de toute façon, Joël a déjà participé à pas mal de conférences, hein, mais plus sur Shakespeare, puisque c'est un spécialiste de Shakespeare. Donc, il a écrit plusieurs livres sur Shakespeare. Là, c'est un gros livre sur les sonnets, mais il y en a beaucoup d'autres. Donc là, nous avons fait appel à Joël. Moi, j'y tenais beaucoup parce que j'aime beaucoup ses livres consacrés à l'enseignement. Voici le dernier, L'alter de mon ego, empathie, mimétisme et éducation. Il y en a eu d'autres, Le maître des désirs. Et donc, Joël, c'est le professeur qu'on aurait tous rêvé d'avoir. Si tous les professeurs d'anglais étaient tels Joël, je pense que tout le monde parlerait magnifiquement en France l'anglais, ce qui n'est pas tout à fait le cas aujourd'hui. Donc, il va nous expliquer comment il fait. Hein, quels sont ces trucs, hein, quelle est la magie qui lui permet de parler, d'être enthousiaste et de communiquer son enthousiasme à ses lecteurs, mais surtout, je pense, à ses élèves. Alors ensuite, donc après la conférence qui durera environ 45 minutes, je pense, Christine Orsini, qui est la secrétaire générale de l'association, qui a écrit Le petit que sais-je, René Girard, qui est petit mais dense, et donc sur lequel je retiens votre attention. Donc, fera les débats avec Joël. Je vous demande de couper les micros parce que c'est enregistré. Donc, à vous la parole, Joël. Merci beaucoup, Emmanuel. Ça me fait plaisir. La présentation est très, très agréable, je vous remercie beaucoup. Alors, je vais me présenter quand même un tout petit peu de quoi je parle et pourquoi j'aborde ce sujet. Voilà, j'ai été professeur, je suis à la retraite, j'ai été professeur d'anglais pendant 40 ans. J'ai commencé ma carrière au Sénégal, au Prytanée militaire de Saint-Louis. Puis, je suis rentré en France, j'ai continué ma carrière en France. Les 25 dernières années, je les ai passées au lycée d'Évry, donc un enseignement en lycée et classe post-bac et classe préparatoire. Voilà pour mon parcours. Au départ, quand j'ai commencé à enseigner, à la fin des années 60, je ne connaissais absolument pas René Girard, évidemment. Je n'ai découvert René Girard qu'avec les choses cachées depuis la fondation du monde en 1978. Et là, c'était le livre que j'attendais parce que j'avais l'intuition d'un certain nombre de choses et d'un seul coup, René Girard venait les éclairer, les révéler, comme il aime ce mot. Et en particulier, j'avais retenu immédiatement, au début de son livre, une phrase qui m'avait accroché. Il avait dit « Il n'y a rien ou presque dans les comportements humains qui ne soit appris, et tout apprentissage se ramène à l'imitation. » Ça a été le déclic.
là, à partir de là, je me suis dit, il faut que je vois ce que je peux faire du mimétisme dans ma classe, comment l'utiliser. Donc, mon propos sera beaucoup plus à propos de ma pratique, si vous voulez. Je vais faire un tout petit peu de théorie, mais pas beaucoup. Ça va surtout être mon expérience hein, que je vais essayer de partager avec vous. En dehors de René Girard, j'ai eu quelques autres influences, bien évidemment. J'avais découvert dans les années 90 Antonio Damasio, tout à fait passionnant, parce que d'un seul coup, j'ai découvert l'importance du QE, c'est-à-dire du quotient émotionnel par rapport au quotient intellectuel. Ça a beaucoup compté. Évidemment, mais c'est arrivé un petit peu tard, la découverte des neurones miroirs, et ça, c'est arrivé qu'au milieu des années 90. Moi, j'étais déjà sur la route depuis un grand moment. Et puis beaucoup d'autres influences, une en particulier, celle de Boris Cyrulnik. J'aime beaucoup une phrase de Boris Cyrulnik qui résume presque le fond de mon propos. Il a dit ceci, « Un homme ne peut se développer qu'en se tissant avec un autre. » Et c'est pourquoi j'ai appelé ma pédagogie la pédagogie du lien. Nous avons essayé de tisser des choses ensemble avec les élèves. Comme Emmanuel l'a signalé, j'ai écrit un certain nombre d'ouvrages, dont le dernier sur l'empathie qui va nous occuper assez sérieusement. Vous allez comprendre pourquoi. Alors, le mimétisme à l'école. Eh bien, le mimétisme, il est partout à l'école, mais il l'est pour de très mauvaises raisons. Je ne vais pas m'attarder sur tout ce qui concerne le mimétisme à l'école parce que alors là, la nuit ne suffirait pas. Je vais même écarter beaucoup de sujets à exploiter par la suite. Pourquoi le mimétisme est si important à l'école? Pour une raison très simple, c'est qu'en fait, on met en compétition des enfants. Ici, vous avez quelques spécimens d'Eton, mais c'est à peu près partout pareil. Et même quand on a supprimé les classements, les distributions des prix, la rivalité a continué de se produire entre pairs, c'est-à-dire entre élèves de la même classe. Cela a abouti à beaucoup de violence à l'intérieur de l'école. Aujourd'hui que l'autorité diminue, je pense que c'est une des causes, on tombe dans des harcèlements spectaculaires, extrêmement méchants, mais ça c'est du mimétisme à l'état de base, si je puis dire. Et puis de toute façon, on ne peut pas faire autrement que de se trouver devant un maître qui vous présente un double bind absolument insoluble, puisqu'il vous dit « imitez-moi, soyez autonome ». Donc, c'est déjà impossible. Enseigner est impossible. Apprendre, c'est impossible. Alors, pour éliminer toutes les impossibilités et tous les cul-de-sac, si je puis dire, j'ai essayé de me concentrer sur ce qui était positif et en quoi le mimétisme pouvait nous aider à avancer, à faire des choses plus utiles. Et là, la question s'est posée immédiatement du modèle. Puisque le mimétisme, je le rappelle, mais presque tout le monde est au courant, ça fonctionne, le désir mimétique, c'est un désir qui se modélise sur quelqu'un d'autre. Je ne désire que ce que l'autre désire. Autrement dit, il faut que je trouve un bon modèle. Là aussi, il va falloir faire le tri entre le bon et le mauvais mimétisme, parce que le modèle, c'est aussi le rival. Et là, ça amène à des conflits absolument constants. Et là, bon, je ne vais pas aborder les conflits mimétiques à l'intérieur de la classe parce que ça nous amènerait très loin. J'ai le souvenir simplement un souvenir très, très désagréable. Au début des années 80, je tombe sur un collègue qui me dit « Ah là là, René Girard, formidable, je fais du mimétisme dans ma classe. » Alors moi qui étais quand même un petit peu nouveau, je dis « Oui, mais ça consiste en quoi ?» Ah ben, il dit « C'est très simple. » Il y a toujours une tête de Turc dans une classe. Donc, dès qu'on a repéré la tête de Turc, on fait bien fonctionner le système et toute la classe se réunit contre la tête de Turc et j'arrive à une dynamique de classe extraordinaire. J'étais effondré. Autant vous dire que j'ai eu des rapports très distants, voire pas de rapport du tout avec ce collègue parce que je me suis dit, si le mimétisme c'est ça, on n'en sortira jamais. Donc, j'ai éliminé tout ce qui pouvait être le mauvais mimétisme et j'ai essayé de me concentrer sur le bon. Et c'est là que je le pratiquais sans le connaître, puis j'ai découvert un peu plus tard, j'ai découvert l'empathie et comment la modélisation, comment le désir se branche sur son modèle, essentiellement sur le même principe que l'empathie.
Mais là aussi, je ne vais pas pouvoir parler de toute l'empathie. Il y a plein de choses que je vais éliminer. Parce que l'empathie est souvent définie de façon, à mon avis, pas erronée, mais qui disperse tout à fait le propos. Beaucoup pensent que l'empathie, c'est la compassion. Beaucoup d'autres pensent que c'est la bienveillance ou c'est l'équivalent de ce qu'on appelle le care. Quelques-uns l'assimilent avec l'altruisme, cher à Mathieu Ricard. Certains pensent que c'est une morale, un principe de précaution. Bon, on peut dire tout ce qu'on veut, mais le mimétisme, qu'est-ce que c'est, le mimétisme? L'empathie, pardon, c'est l'image de l'autre en moi. Et à partir de là, tout se déclenche. Et c'est pour ça que les neurones miroirs ont été si utiles, parce qu'ils sont venus confirmer dans les années 90 l'intuition extraordinaire de René Girard. Oui, c'est bien l'image de l'autre en moi. Donc, dès la naissance, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le petit homme reçoit des images et les reproduit instantanément. Il a été calculé par des expériences extrêmement fines que, au bout d'une heure, un enfant qui voit, c'est-à-dire il y a des enfants qui ne sont pas toujours très très voyants à la naissance, mais un enfant qui voit, qui perçoit normalement, au bout d'une heure, il commence à imiter la personne qui est en face de lui. Donc, vous tirez la langue au bébé, il tire la langue. Alors, il ne sait pas qu'il tire la langue, il ne sait pas qu'il a fait fonctionner ses neurones miroirs, mais pourtant, c'est très exactement ce qu'il a fait. Et les expériences montrent, et c'est là que c'est extrêmement important, que l'être humain ne recopie ou ne reçoit et n'interprète que ce qui vient de l'humain. Et c'est là que le mimétisme va nous éclairer sur beaucoup de choses. C'est-à-dire que dès la naissance, quasiment, le bébé imite les intentions de l'humain qui est en face de lui. Il y a des spécialistes qui l'ont expliqué mieux que moi, en particulier Jean-Michel Hougourlian, qui a beaucoup, beaucoup travaillé avec René Girard dès le départ, puisqu'il a écrit avec lui des choses cachées depuis la fondation du monde. Et l'explication de Jean-Michel Hougourlian est absolument lumineuse. Il dit ceci: je bâille par mimétisme quand je vous vois ouvrir la bouche pour bâiller. Je ne bâille pas ni n'ouvre la bouche quand je vois s'ouvrir une valise devant moi. Je désire ce que l'autre désire, j'imite l'intention. Découverte absolue, absolue. Les neurones miroirs fonctionnent dès la naissance, c'est de l'inné. Ça fonctionne également chez les animaux supérieurs, mais chez l'humain, c'est démultiplié à l'infini, on peut dire. Et alors, du coup, se pose une question. Puisque l'empathie est si naturelle, puisque le mimétisme paraît un mécanisme incontournable, pourquoi l'enseigner? Pourquoi s'en servir? Il n'y a qu'à laisser faire la nature, les choses se passeront toutes seules. C'est un petit peu plus compliqué que ça. Donc, en particulier, si l'être humain, comme dit Boris Cyrulnik, ne peut pas se tisser sur un autre, c'est la catastrophe, c'est les enfants sauvages. Malgré le très très beau film de François Truffaut, L'enfant sauvage, le malheureux enfant Victor de l'Aveyron, bon, sans contact humain jusqu'à un âge avancé, eh ben son humanisation a été très 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 faible, enfin, voire irrécupérable. Et le film de Truffaut est très beau. L'histoire véridique de Victor de l'Aveyron fait qu'il a eu un destin quand même plutôt triste. Il n'a jamais atteint un certain seuil d'humanité. Donc, il faut imiter, mais là aussi, il y a des pièges. Il y a la bonne et la mauvaise imitation. Alors, éliminons tout de suite la mauvaise imitation. Alors, la mauvaise imitation, c'est la copie pure et simple. Alors, on ne peut pas ne pas copier. Et le maître d'école passe son temps à dire ne copiez pas. Alors, si vous ne copiez pas, vous n'apprendrez rien de toute façon. Mais qu'est-ce que la mauvaise copie par rapport à la bonne copie? La mauvaise copie, ça consiste à reproduire ce qu'on a aperçu et à ne jamais la faire sienne, l'objet, la chose qu'on a aperçue, on ne le fait pas sien. C'est-à-dire qu'on répète. Et la répétition est une catastrophe. Signalons par exemple que les autistes sont des enfants qui répètent, mais de façon invraisemblable, des centaines de fois, ils répètent la même chose. On a l'impression qu'ils répètent, ils répètent, ils répètent. Mais ça ne se transforme jamais en désir et du coup l'apprentissage ne démarre pas. Il y a quelque chose qui manque, il y a un déclic qui manque.
Il n'y a pas que les autistes qui sont dans cette position-là. Beaucoup, tout le monde, moi-même, hein, n'importe qui, tombe dans l'imitation, en particulier à cause de la publicité. Parce que qu'est-ce que je fais? Je vois un modèle qu'on me donne, je le recopie, je ne réfléchis pas, j'achète l'objet qu'on m'a dit d'acheter, c'est tout. Bon, les stars, tout le système de stars, d'idoles, c'est de la recopie pure et simple, c'est de la fascination et rien d'autre. On peut aussi... sous l'effet des gourous, des tyrans. Il faut reconnaître qu'il y a une empathie extraordinaire entre les gourous et les adeptes. On peut même aller jusqu'à dire qu'Hitler exerçait une empathie extraordinaire sur des foules entières, rassemblées dans des transes, la nuit, évidemment la nuit c'est mieux, avec des torches, avec de la mise en scène, de la musique. On faisait attendre les gens extrêmement longtemps. Au moment où Hitler apparaissait, ils étaient fatigués et ils avaient abandonné toute espèce de réflexion et ils gobaient littéralement tout ce que le tyran leur disait. Et Hitler avait poussé la chose jusqu'au bout, puisqu'il fallait jurer qu'on obéirait à Hitler jusqu'au bout. Et ça a donné les catastrophes que l'on connaît. Donc ça, c'est l'empathie et c'est l'imitation la plus horrible qui existe. À l'école, puisqu'il faut revenir à l'école, la répétition la plus désastreuse, c'est ce qu'on appelle le bachotage. Donc, on apprend, on imite, on te dit « apprends, tu répètes ». Le bachotage, qu'est-ce que ça donne? Ça donne, ça peut être utile, ça permet de passer le bac, mais le lendemain du bac, on ne sait plus rien. Plus rien. Si on n'a rien intégré pour soi-même, ça part aussi vite que c'est rentré. Et c'est du travail, enfin... C'est des années de travail, de sueur, de fatigue, de tout ce qu'on veut, pour à peu près rien, d'une certaine façon. Donc, c'est quand même effrayant. Mais heureusement, il y a la bonne imitation. Alors, qu'est-ce que c'est que la bonne imitation? La bonne imitation, ça consiste d'abord à choisir le bon modèle. Alors, on peut là aussi laisser le hasard et dire que vous trouverez tout seul votre modèle, vous vous arrangerez comme ça. C'est pas plus mal si on aide un tout petit peu et si justement l'éducation consiste à proposer des modèles et faire en sorte que l'apprenant, l'élève, approche de ce modèle. Et le modèle est considérable. Là, je fais une petite citation d'Anna Arendt dans « Conditions de l'homme moderne ». Elle dit ceci, « Le savoir du spécialiste inspire confiance ». De sorte que ni la force ni la persuasion ne sont nécessaires pour obtenir l'acquiescement. Voilà l'acquiescement, c'est là le mot, le fameux se tisser sur quelqu'un, c'est l'acquiescement. Mais là encore, il faut savoir exactement de quoi on parle. On va s'attacher, entre autres par exemple, au maître, parce que c'est lui qui sait. Et on veut lui ressembler parce que ce n'est pas qu'on veut lui ressembler lui, entre autres l'instituteur là avec sa blouse, ses lunettes, il n'est pas franchement génial. Mais ce qu'on veut acquérir, c'est son savoir parce que le maître, il possède un savoir et ce savoir est absolument désirable. Et il faut que le maître, j'utilise beaucoup le mot maître, hein, on peut dire instituteur, professeur, ce que vous voudrez. Moi, j'utilise le mot maître. Il faut que le maître rende ce savoir évidemment désirable. Et de ce point de vue-là, c'est lui qui va servir de truchement. Alors, si on parle en termes girardiens, on va parler de médiation externe. Bon, on n'est pas obligé de passer par cela. Moi, je dis simplement qu'il s'agit de mettre l'élève et le maître en relation. Autrement dit, l'éducation, ce n'est pas une affaire de technique, ce n'est pas une affaire de méthode, c'est une affaire de lien, de relation. C'est une mise en jeu des désirs. Il faut donner des modèles désirables et à partir des modèles désirables, l'apprentissage va se faire pas tout seul, mais presque tout seul. À l'inverse, je retourne un tout petit peu en arrière sur le mauvais mimétisme. À l'inverse, si cet attachement ne se fait pas, on arrive à des catastrophes. C'est l'élève qui dit « bon, moi, j'ai jamais rien fait en anglais parce que j'ai eu des profs nuls ». En fait, ce n'est pas des profs nuls, c'est des profs avec lesquels les élèves n'ont jamais accroché, n'ont jamais rien tissé. En général, l'expression, c'est de dire « Oh, ce prof, il ne me revient pas, il ne me revient pas. » Comment ça se fait qu'il ne revient pas? Alors, on peut laisser encore une fois le hasard. Il y a quelquefois des rencontres miraculeuses entre le maître et l'élève, et puis il y a aussi beaucoup de rencontres qui ne se font jamais, des élèves et des maîtres qui sont face à face et qui ne se supportent pas
Enfin, ils se supportent une année parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement, mais c'est désastreux. Donc, il va falloir faire en sorte que le maître soit ce truchement qui amène l'élève au bon désir. Est-ce que vous me suivez jusque-là? Bon, tout ça, c'est un peu de la théorie. Maintenant, on va passer un peu dans la pratique. Dans la pratique, il va falloir aussi que je casse un certain nombre de choses. La première chose que j'ai cassée dans ma pratique, c'est l'idéologie de l'autonomie. Alors là, ça a été très dur parce qu'il n'y a pas que l'école qui prêche l'autonomie, toute la société prêche l'autonomie. Tout le monde veut ne rien devoir à personne, je suis mes désirs, bon, etc. C'est absolument épouvantable. Et quand l'école a utilisé cette idéologie, ça a donné, l'élève définit lui-même son projet. Or, qu'est-ce que c'est qu'un élève de 15 ou 16 ans qui n'a pas de projet, qui ne sait pas ce qu'il veut littéralement? Eh bien, s'il ne sait pas ce qu'il veut, eh bien, il va falloir lui donner des désirs. Donc, c'est pour ça que mon premier livre, je l'ai appelé Le Maître des désirs. Je me suis senti beaucoup plus souvent prof de désir que prof d'anglais. Une fois qu'ils avaient le désir d'apprendre l'anglais, je vais revenir dessus après en expliquant quelques petites techniques. À la limite, j'avais plus rien à faire. J'avais donné l'impulsion, le déclenchement, et puis les choses se faisaient presque toutes seules derrière. Alors j'ai lutté contre l'autonomie tout ce que j'ai pu. L'autonomie, qu'est-ce que ça donne? Ça donne des enfants rois, ça donne des tyrans domestiques, ça donne ce qu'on appelle des hyperactifs. Qu'est-ce que c'est qu'un hyperactif? Un hyperactif, c'est quelqu'un qui ne veut écouter personne. C'est un autonome déchaîné. C'est-à-dire que vous n'avez rien à me dire, je sais moi tout seul ce que je veux, ne sachant d'ailleurs pas ce qu'il veut. La plupart du temps, ce sont des caprices. Qu'est-ce qu'un caprice? Un caprice, c'est un désir court. Puisqu'on change aussi vite de caprice que bon, les riches qui sont très, très capricieux, dès qu'ils ont une voiture à 100 000 euros, ils veulent une voiture à 150 000 euros. Bon, un enfant, c'est un caprice, c'est la même chose. Donc, ça donne des hyperactifs capricieux. Et c'est plus grave encore, ça donne des enfants sur lesquels rien n'accroche. Moi, c'est ce que j'appelais les enfants téflons, c'est-à-dire que ça passe dessus et ça tombe, ça glisse, rien n'accroche. Et on le constate tous les jours devant nous en classe, si vous voulez. Et puis, à la fin de ma carrière, j'ai découvert ça aussi, ce que j'appelle les enfants selfies, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'eux qui s'intéressent. Et entre eux et leur image, bah, il ne se passe rien. Ils ne peuvent rien apprendre. Autrement dit, il faut casser l'autonomie et il faut sortir de là, littéralement sortir de là. Autrement dit, il ne faut pas se centrer sur l'apprenant, mais il faut au contraire décentrer l'apprenant, le décentrer. Je rappelle que éduquer, ça vient de educere, ça veut dire être conduit ailleurs. On n'a jamais dit que ça veut dire revenir à soi-même. Il y a une phrase de Michel Serres qui m'a aussi énormément influencé dans Le tiers instruit, livre de référence, qui est très clair. La phrase est courte, elle est très très dans le style de Michel Serres, mais je l'aime beaucoup. Il dit ceci: partir, sortir, se laisser un jour séduire, devenir plusieurs, braver l'extérieur, bifurquer ailleurs. C'est exactement ça. Il faut sortir. Alors, il y a quelqu'un d'autre qui avait dit ça juste un petit peu avant et qui l'avait très très bien dit, c'était Arthur Rimbaud. Il avait dit: je est un autre. Donc, si je est un autre, il faut aller le chercher là où il est, cet autre. C'est ça la démarche. Alors, elle est girardienne à tout point de vue. Et en matière d'enseignement, de pédagogie, comment est-ce qu'on s'y prend? Il y a encore un autre piège. Je débarrasse, comme vous voyez, tous les pièges possibles et imaginables sur le chemin. Il y a la confusion terrible entre désir et motivation. Donc, quand je parle de désir en classe, quelques-uns, ça leur fait très peur. Je vais revenir tout de suite après pourquoi. Donc, on préfère parler de motivation. Mais la motivation, c'est un court-circuit. La motivation, ça consiste à dire à l'élève, mais qu'est-ce que tu veux? Hein? La motivation, on pense qu'elle va venir de l'élève. Mais non, la motivation. Alors, évidemment, il y en a quelques-uns. Le petit Mozart, il n'y avait pas besoin de lui expliquer, sa motivation, elle était définie d'avance, c'était réglé. Mais malheureusement, pour la grande majorité des gens, les motivations, ils ne les connaissent pas. Alors, ils ont des goûts, oui, ça peut marcher, le goût. Mais le goût, ce n'est pas encore le désir.
Donc, il faut absolument tirer les élèves hors d'eux et il faut se faire désirer. Vous allez voir que c'est un parcours qui est un petit peu difficile. Ce que je donnais comme définition aux élèves, et là, c'était de la provocation de ma part, je leur disais, vous ne travaillez pas pour vous, vous travaillez pour moi. Il y en a un certain nombre que ça déstabilisait. Et oui, je leur disais, si vous n'avez rien à me donner, vous n'avez rien à donner, vous n'apprendrez rien. Il faut absolument sortir de vous-même. Ce qui était évidemment de la provocation. Et ce désir qu'on doit déclencher, j'expliquerai un peu après comment ça n'est pas soi-même qu'on doit faire désirer, ce n'est pas le maître qu'on désire, c'est autre chose qu'on désire. Le danger ici, c'est si on s'arrête au maître. Alors, il y a les histoires d'amour entre élèves et profs. Moi-même, je suis tombé dedans. Quand j'étais en première, j'étais amoureux de ma prof de français, je ne donnerai pas son nom parce qu'elle est connue, qui était absolument brillante, qui était extraordinaire. En plus, elle me révélait toute la littérature du monde. J'étais au ciel et moi, je n'avais pas compris qu'elle me faisait découvrir le ciel et la littérature et le reste. C'est elle que je trouvais fascinante. Bon, j'étais beaucoup charrié par mes copines, mais bon, j'étais tombé dans cette espèce de fascination. Je m'en suis remis depuis, mais ça a été un moment très fort. Et ce désir, quand je dis que je suis un prof de désir, il y a un certain nombre de gens que ça déstabilise complètement. Je me souviens à une époque, dans les années 90, j'ai eu un certain nombre d'échanges de courriers avec Georges Stenner, qui est un monsieur qui était très 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 bien, qui a écrit des livres sur la transmission, qui était vraiment passionnant. Et il était affolé par ce que j'écrivais en disant, mais il me disait, est-ce que vous vous rendez compte des risques de pédophilie? Alors je dis, oui. On doit se faire désirer, pas pour soi-même, hein, et il faut absolument éliminer tout ce qui peut être sexuel ou de cette nature. Sinon, on est perdu. Là aussi, c'est une bifurcation épouvantable. Alors, je ne sais pas pourquoi Georges Stenner vraiment en était tout à fait chaviré. Je savais qu'il y avait des pièges. L'expérience que j'avais eue moi-même en première m'avait quand même beaucoup, beaucoup enseigné. Donc, je ne dis pas que j'étais sur mes gardes, mais je savais les risques que je courais, déjà. Est-ce que je les ai tous évités? J'en sais rien. En tout cas, j'ai essayé quand même de les éviter du mieux que je pouvais. D'autant plus que la terreur, c'est la suivante, c'est que René Girard parle de mécanisme mimétique. Donc, si c'est un mécanisme, est-ce qu'il fonctionne tout seul? Est-ce qu'on ne peut pas l'empêcher? Là, ça devient affolant. Parce que moi, je me dis, je vais essayer de déclencher tous les désirs que je peux, et puis une fois que je les ai déclenchés, qu'est-ce qui va se passer? Il y a des profs qui sont terrorisés par ce genre de choses, terrorisés. Ils maintiennent une distance formidable avec leurs élèves pour être sûr que rien n'accroche. Enfin, c'est eux qui sont les profs Teflon, d'une certaine façon. J'avais un collègue, brillant prof de philo, qui se faisait fort de ne pas apprendre le nom de ses élèves. Et au premier conseil de classe du premier trimestre, au mois de novembre, fin novembre, j'étais assis à côté de lui, puis on parlait d'un élève, et il me dit « c'est qui celui-là ?» Je lui dis « mais attends, c'est ton élève, tu es en classe terminale, tu dois les connaître. » Oh, il dit « non, moi j'apprends pas les noms, je veux pas savoir qui ils sont. » Alors là, j'étais complètement ahuri, mais en même temps, j'ai compris. Il se donnait beaucoup, c'était un prof très très brillant, mais il avait bloqué il y avait une paroi de verre, c'était pas un plafond, c'était une paroi de verre. Vous, c'est vous, moi, c'est moi, on va pas plus loin. J'avais un certain nombre aussi de protections. Moi, par exemple, j'ai vouvoyé les élèves absolument jusqu'à la fin. Jamais, jamais, je ne suis tombé dans le tutoiement, parce que le tutoiement coupe beaucoup de choses. C'était vous. Je tenais à ce qu'on m'appelle monsieur, je tenais à ce qu'on me vouvoie, je tenais à ce qu'il y ait des formules de politesse bien précises. Quand un élève devait s'excuser, je demandais des excuses en bonne et due forme. Il y avait tout un tas de rites, et là c'est vraiment des formes, des rites, on peut le dire, qui permettaient que chacun soit à sa place, moyennant quoi on s'en sortait très très bien. Et cet attachement qui est indispensable, il faut savoir le faire fonctionner. Alors, il y a une autre protection, c'est l'enseignement virtuel. Je ne sais pas comment les collègues d'aujourd'hui s'en sortent avec l'enseignement à distance à travers des écrans.
Je ne sais pas. J'avoue que si je me trouvais dans cette situation, je serais très malheureux. J'ai un jeune collègue, enfin jeune, oui, un assez jeune collègue qui est prof de fac à la fac d'Evry, qui exerce le plus gros de son métier à distance avec des ordinateurs et tout ce qu'on veut. Et il reconnaît, alors très appliqué, très impliqué, et il reconnaît qu'il a deux fois plus de travail que d'habitude. Parce que supposer que vous voulez faire un enseignement de 1 à 1, c'est encore possible avec les techniques d'aujourd'hui, mais ça devient extrêmement compliqué. Alors que moi, j'avais vraiment le sentiment de faire un enseignement de 1 à 1. Peer-to-peer, on dit aujourd'hui, mais on ne disait pas ça à l'époque. C'était one-to-one. Alors, il est quand même question d'aborder le bon désir. Qu'est-ce que le bon désir? Donc, le désir, ça consiste à s'approprier ce que l'autre possède. C'est le désir. Et dans l'enseignement, ça consiste à ceci. Celui qui sait me paraît désirable. Le schéma est en quatre points. Un, celui qui sait me paraît désirable. Deux, je désire donc posséder ce qu'il possède. Trois, je limite pour calmer mon désir et j'apprends ainsi ce qu'il fait. 4. J'oublie la source de mon désir et ce qui reste, c'est ma culture. Donc il faut absolument oublier le prof derrière. Je rappelle que traditionnellement, dans les rites de l'école très lointaine, quand j'étais petit, 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 on terminait l'année scolaire en disant les cahiers au feu et le maître au milieu. On brûlait le maître à la fin de l'année. Donc moi, je ne me faisais pas brûler, j'essayais quand même de faire très très attention, mais je me faisais fort d'oublier aussi vite mes élèves que je m'étais investi pour eux pendant l'année scolaire. Il y en a quelques-uns que ça déstabilisait énormément. Ceux, par exemple, qui disaient, Monsieur, vous nous reprenez l'année prochaine, je dis non, 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 moi je ne demande jamais les élèves, je prends les élèves que l'administration me donne. Donc sûrement, je ne vais pas vous demander, vous. Au contraire, allez voir quelqu'un d'autre, vous verrez d'autres profs, d'autres méthodes, etc. Et la deuxième chose qui les choquait beaucoup, c'est qu'au mois de septembre, quand j'en recroisais quelques-uns avec lesquels j'avais eu des relations très très fortes l'année précédente, j'avais oublié leur nom. Et alors, il y en a quelques-uns qui disaient, non, monsieur, ce n'est pas possible, vous n'avez pas oublié comment je m'appelle. Ben, je dis, si, les vacances sont passées dessus, j'ai oublié votre nom, redonnez-le-moi. Ah oui, vous vous appelez comme ça. Ah bon, d'accord. Mais ça, c'était une mesure, je dirais, d'hygiène. C'est-à-dire que, il faut s'investir complètement dans le temps qu'on enseigne. On peut pas, faire semblant d'enseigner. Mais après, ça s'arrête. Donc, je changeais de population à chaque rentrée. D'ailleurs, j'adorais les rentrées. Donc, il va falloir oublier le maître après s'être beaucoup investi auprès de lui. Autrement dit, la culture, qu'est-ce que c'est? La culture, c'est ce qui reste quand on a oublié ses maîtres. On a tout pris d'eux et on les a oubliés. Alors bon, je triche un peu, je n'ai pas oublié ma prof de français de première. Mais quand je réfléchis à tous les profs que j'ai pu avoir, la quantité que j'ai, je ne sais plus leur nom, je ne sais même plus à quoi ils ressemblaient, c'est quand même assez indescriptible. Là, il faut aussi être très très prudent. Puisque l'élève s'attache à vous, c'est le processus qui est mimétique. Le processus est obligatoirement mimétique. Mais c'est que le processus qui est mimétique. Il ne faut pas s'arrêter à ce processus-là. Il faut nécessairement le dépasser. Et il faut que, de ce savoir, on passe de celui qui sait à ce qu'il sait. Il faut finir par désirer son savoir. Sinon, on fabrique que des petits singes savants ou pas grand-chose. Le bon désir, il fonctionne tout seul. Je reviens sur ce que j'avais dit déjà tout à l'heure, mais je précise. Tout petit, le petit garçon dit, quand je serai grand, je serai comme papa. Ou la petite fille, quand je serai grande, je serai comme maman. Très bien. Quand ils arrivent à l'école, ils disent, ah, quand je serai grand, je serai maître d'école. Si tous les enfants devenaient maîtres d'école, on n'aurait pas de problème de recrutement. Bon, et puis évidemment, pareil, ça s'oublie, on passe à autre chose. Et il y a ceux qui. C'est le basculement du désir à ce que ça devient. L'exemple le plus spectaculaire que je connaisse, c'est Victor Hugo. Il faut prendre des bons exemples. Victor Hugo qui écrivait sur son cahier d'écolier, Je serai Chateaubriand ou rien. Bon, il avait mis la barre assez haut. Ce qu'il y a d'extraordinaire,
c'est qu'il n'est pas devenu Chateaubriand, il est devenu Victor Hugo. Excusez du peu. Mais c'est exactement ça. Il avait visé extraordinairement haut, il est arrivé extraordinairement haut. Donc, il n'est pas devenu Chateaubriand. Par contre, ce qui est très important, c'est que le modèle soit transcendant. Le modèle, c'est celui qui appelle. Le modèle, c'est celui qui déclenche la vocation. Vocation, c'est l'appel. Et là aussi, les pièges, c'est, je prends l'exemple de La gloire de mon père, parce que le livre m'a enthousiasmé. D'abord, quand j'étais petit, je l'ai relu depuis. Or, Marcel Pagnol court tous les risques, puisque le modèle, c'est le père. Donc, la médiation interne va être immédiate. Et le père, c'est l'instituteur. Bon, théoriquement, le pauvre petit Marcel, il devrait être perdu pour le mimétisme. Il réussit quand même. Alors, il faut relire le livre pour voir comment ça se passe. C'est assez extraordinaire. Mais là, les risques sont terribles. Quand la médiation est interne, c'est-à-dire quand le modèle, le désirant et le désiré sont trop près l'un de l'autre, on peut arriver à des catastrophes. Surtout si celui qui est désiré ne maîtrise pas le désir dont il est l'objet. C'est le cas très très classique, mon petit, je suis pharmacien, tu seras donc pharmacien. Bon, le pauvre gosse a absolument pas envie d'être pharmacien, surtout si papa est pharmacien, il a franchement envie d'être autre chose. Oui, mais que va-t-on faire de l'officine? Alors, ce genre de vocation, ça fonctionne aussi dans le sens inverse. C'est ma petite, tu seras danseuse parce que ta pauvre maman n'a pas pu être danseuse. Le nombre de petites filles qu'on a pu faire souffrir avec ça, c'est épouvantable. J'adore la danse, mais de là à faire souffrir les petites filles parce que la maman n'a pas réussi à rentrer à l'opéra, c'est quand même une catastrophe. Donc, on est choisi souvent comme modèle. Et qu'est-ce qu'on en fait ? On peut créer des catastrophes. Et c'est là qu'intervient l'autorité. L'autorité, c'est la bonne distance entre la présence, il n'y a pas d'autorité sans présence. L'autorité, ce n'est pas des règles. L'autorité, c'est je suis là, je suis présent. Et quelle est la distance suffisante? Il y a une définition qui est assez facile, mais que beaucoup de gens ont oublié. Il suffit d'être adulte. Or, être adulte par rapport à des enfants, il y a beaucoup de plus en plus d'adultes qui ne savent pas l'être. Pourtant, je vais donner un exemple alors tout à fait personnel dans la famille. Un de mes petits-enfants un jour sort du collège et se fait piquer son téléphone portable. Juste au moment où il allait rentrer chez lui, il était encore sous le porche de la maison. Il y avait un adulte qui avait vu le petit système depuis la sortie du collège. Il avait vu qu'il y avait un gamin qui en suivait un autre. Donc, il a vu que mon petit-fils se faisait voler son portable. Immédiatement, il s'approche et il dit au petit voleur, tu lui rends son portable immédiatement. Le gamin, paniqué, rend le téléphone, il ne discute pas et il s'en va. Et l'adulte a disparu. Et cet homme-là a fait deux choses extraordinaires ce jour-là. La première, c'est qu'il s'est interposé en adulte à la bonne distance. Deuxièmement, il s'est effacé derrière, c'est-à-dire qu'il n'a pas fait de son autorité quelque chose d'autoritaire. Mais il était juste à la bonne place au bon moment. Comment est-ce que vous êtes à la bonne place au bon moment? Eh bien, on ne le sait pas. On ne le sait pas. Parce que la bonne place, elle n'est pas définie d'avance. Le bon moment, vous n'avez pas défini non plus. Donc, c'est une improvisation extraordinaire de chaque instant, si vous voulez. Eh oui. Donc, la question est la suivante. Si je est un autre, il faut aller le chercher. Et alors, il se trouve que, comme j'étais prof d'anglais, je est un autre, puisque quand vous apprenez une langue étrangère, par définition, le but, c'est de devenir étranger à vous-même. Il va falloir qu'un jour, vous vous exprimiez, vous, dans une langue qui n'est pas la vôtre. Donc, ça peut être une forme d'aliénation épouvantable, c'est en même temps une chance extraordinaire de sortir de soi. Et on sait que plus on connaît de langues, plus on a l'esprit riche. Donc, le but, c'est de sortir de soi. Mais ça ne se passe pas exactement comme ça. Ça consiste aussi à faire rentrer l'autre en soi. Ça, la définition, je l'avais apprise de Simone Signoret, qui est née il y a 100 ans aujourd'hui, qui disait « L'acteur ne rentre pas dans la peau du personnage, il prête sa peau au personnage. » Donc, il faut que l'autre arrive en vous. Et à partir de là, j'ai fabriqué des exercices où j'ai fait entrer les autres dans les élèves, enfin j'ai fait que les élèves ont fait entrer des autres en eux. Alors, je vous donne quelques exemples d'exercices.
très, très souvent en début d'année, en seconde en particulier, un des tout premiers exercices que je donnais en travail écrit à la maison, l'exercice était « What does it feel like to be a stranger ?» Ça fait quoi d'être un étranger ? Alors, ils pouvaient soit exprimer leur expérience quand ils étaient partis à l'étranger, je ne sais pas où, quelquefois dans des endroits plus ou moins inconnus. J'en ai quelques-uns qui étaient des vrais étrangers, c'est-à-dire des immigrés récents, qui me racontaient leur arrivée en France. C'était ahurissant. Alors là, eux, ils étaient vraiment étrangers. Bon, pour ceux pour qui ça n'était pas une expérience, on pouvait faire la même chose de façon virtuelle, de façon fictive. Parce que, heureusement, le langage, la littérature nous permet toutes les échapper. Et ça, c'est une immense chance. Autre exercice que je donnais, qui était presque le même, mais sous une autre forme, je donnais cet exercice, je disais « After a long sleep, you wake up in someone else's body. What happens ?» Vous avez dormi longtemps et vous vous réveillez dans un corps qui n'est pas le vôtre. Qu'est-ce qui se passe ? Voilà. Donc, c'est le propre de « je suis tout à coup quelqu'un d'autre ». Qu'est-ce qui se passe ? Et les élèves rentraient là-dedans et jouaient ça de façon merveilleuse, parce que dès qu'ils avaient compris le déclic, ils savaient. Le mécanisme, alors si c'en est un, en tout cas le mécanisme marchait parfaitement. Quelque chose qui était assez amusant, puisque ça c'était des exercices en début de seconde, j'avais des classes de 35 quand même, alors je me dis, ah, combien vont se réveiller en moi ? Alors j'en avais toujours deux ou trois qui se réveillaient en moi, je ne vous dis pas ce qui me faisait arriver une fois qu'ils étaient moi. Bon, c'était « je t'aime moi non plus » un peu souvent, mais enfin c'était quand même assez intéressant. Il y en a aussi des filles qui se réveillaient dans mon épouse. Alors là aussi, ils me faisaient une épouse qui n'était pas toujours encore bonne. Mais bon, c'était bien, ils avaient compris le déclic. Voilà. C'est tout, c'est un déclic. Il fallait surtout que ce soit fait sur le mode de l'humour, parce que l'humour donnait toute la distance nécessaire. Et c'était fait avec beaucoup d'humour. Dans les autres exercices que je donnais, quand on travaillait des textes, j'avais banni une fois pour toutes, pour les classes un peu plus grandes, mais dès la seconde éventuellement, j'avais banni définitivement l'explication de texte. Puisque l'explication de texte, ça consiste à sortir quelque chose du texte. Non, il faut au contraire s'impliquer. Je faisais des implications de texte. Alors, on étudiait un texte, et puis je leur disais après, bon, ben maintenant, voilà, on a compris l'histoire, maintenant, vous êtes le personnage, ou celui d'en face, ou vous êtes une chaise, ou vous êtes la pendule, ou vous êtes le miroir qui est dans la pièce. Alors, être le miroir, c'est absolument merveilleux. J'ai eu des déclenchements d'imagination avec les jeux de miroir qui étaient formidables. Voilà, mais... ce qui était intéressant, c'est de s'incarner, c'est de rentrer dans le texte, le faire vivre d'une certaine façon. Et il est très important ici d'inclure le corps. Alors, encore un tabou épouvantable. Comment vous utilisez le corps en classe ? D'abord, c'est interdit. Ensuite, vous n'avez pas la place, parce que quand vous avez 35 élèves et assis serré comme ça, je parle d'une époque bénie où il n'y avait pas le coronavirus, donc les élèves étaient les uns sur les autres. Comment vous faites fonctionner les corps ? Ben, faut essayer quand même. Alors là, il y a des petits trucs. Alors, j'utilisais le mime, par exemple. Alors, le mime, ça servait à anticiper sur la parole. C'est-à-dire qu'on ajoute la parole au geste. On mimait, alors je donnais une idée de sketch, de ce qu'on voulait. Les élèves, 2, 3, mimaient quelque chose. Puis ensuite, eux ou les autres de la classe verbalisaient ce qu'ils avaient vu. Souvent, ça se faisait en échange, d'ailleurs. Mais ça pouvait être aussi la classe, simplement, qui verbalisait ce qu'ils avaient vu. Mais c'était le corps qui avait commencé à exprimer quelque chose. Tous les jeux de miroir étaient évidemment agréables. Ce qu'on appelle en anglais le « shadowing », donc les effets de miroir de répétition. Et parmi ceux-là, il y en a un exercice que j'aimais beaucoup, ce que j'appelais le playback, il fallait bien donner des mots anglais, c'est-à-dire que deux élèves l'un derrière l'autre, celui de derrière dit le texte, celui de devant le mime avec la bouche. Autrement dit, ceux qui le voient l'entendent avec une voix qui n'est pas la sienne. Et l'effet, en général, est absolument saisissant. Encore une fois, il y en a un qui rentre dans l'autre qui sort de lui-même. Alors, ça marchait très bien aussi avec la vidéo, parce qu'on faisait des playbacks en vidéo, c'est-à-dire que là, on avait une bande son, et ils jouaient entre eux, les élèves jouaient des personnages, et ce n'était pas leur voix. Par contre, là, ils avaient des accents
merveilleux, puisque j'utilisais des bandes en anglais. Donc, d'un seul coup, ils se mettaient à parler un anglais parfait. Et à l'image, on les voyait parler un anglais parfait, ce qui c'est quand même extraordinaire. Et là, ce dédoublement était extrêmement réjouissant. Quand je parlais des jeux de miroir, il y en avait un autre qui était très, très utile. C'est ce que j'appelle être vu, puisque il faut se préparer à être l'image de l'autre. Ça peut être redoutable, mais j'essayais toujours d'être du côté du positif. Donc, le jeu consistait à répondre à la question « What I like in you ?» Donc, on bannissait autant que possible toutes les choses négatives. Mais « What I like in you ?» finalement, on finissait par découvrir chez l'un, chez l'autre, énormément de choses. Et c'est un exercice qu'on peut faire avec très peu de vocabulaire. Et quand on n'a pas de vocabulaire, ce n'est pas grave, parce que comme on avait le droit de mimer, on mimait. Et les mots qui manquaient, ben, j'étais là pour les donner. Et à ce moment-là, on apprenait aussi des mots. Dans les autres choses que j'aimais bien faire, bon, je vous passe un peu en revue, mais pour dire que à partir de ce déclic de « je vais être un autre », je veux dire que c'est infini. J'avais inventé, enfin, ce n'est pas moi qui l'avais inventé, c'est un élève qui m'avait donné l'idée, parce que j'ai énormément appris de la part des élèves, bien évidemment. Et je faisais ce que j'appelais l'autoportrait fictif. Parce que l'autoportrait, on peut le faire, mais c'est très, très difficile à faire. Donc, beaucoup plus facile de faire l'autoportrait fictif. L'autoportrait fictif, c'est l'idéal qu'on veut être. Donc, on se décrit tel qu'on voudrait être, tel qu'on voudrait que les autres vous voient. Mais on avait d'autres astuces. À l'époque, il n'existait pas. Mais aujourd'hui, je l'aurais transformé en Wikipédia. Je leur disais, à l'époque, je leur disais, écrivez votre biographie dans une encyclopédie. Mais aujourd'hui, je leur dirais, vous avez 70 ans, écrivez votre page Wikipédia. Alors évidemment, pour un élève de 15-16 ans, c'est une projection extraordinaire. Mais en même temps, c'est une révélation pour eux-mêmes. C'est l'autoportrait fictif. Et ça marchait extraordinairement bien. Ce n'est pas moi qui l'avais inventé, c'est une élève qui me l'avait donné, qui m'avait suggéré l'idée. Beaucoup des exercices que j'ai cru inventer, c'était des choses que les élèves m'avaient eux-mêmes soufflées. Parce qu'évidemment, ils m'en donnaient autant que j'essayais de leur en donner. Ce qui était important, c'était de faire semblant. J'ai parlé des autistes tout à l'heure. Pourquoi les autistes ont un problème terrible? Ils répètent, on a l'impression qu'ils imitent, mais ils ne font pas semblant, alors que les enfants font semblant. Ceci demande une précision terrible, parce que faire semblant, les élèves, au bout d'un moment, voyant que, comme on dit, c'était très ludique avec Ilion, ça se transformait, surtout chez les plus jeunes dans les classes de seconde, ça se transformait souvent en n'importe quoi. Alors, j'étais obligé de préciser, attention, avec Ilion, on joue beaucoup, mais on ne s'amuse jamais. Alors, quelques-uns trouvaient que c'était quand même assez bizarre. Ah, j'ai dit, non, on ne fait pas mumuse. On ne fait pas mumuse, on joue. Et jouer, ça veut dire faire semblant. On incarne quelque chose, on entre dans quelqu'un d'autre, on fait autre chose. Et le jeu, alors là, lui, par contre, est infini. Je veux dire que, autre chose que je faisais, qui était très, très drôle aussi, je faisais ce que j'appelais des détournements de texte. C'est très facile à faire avec des légendes. Par exemple, on a attrapé des crises de rire sans fin là-dessus. Vous prenez des légendes qui sont archi connues et vous les transformez. Alors, il y a la légende classique de Cendrillon qui arrive dans sa Rolls-Royce, bon, etc. On peut moderniser les choses et inventer tout ce qu'on veut. Il y avait une élève qui m'avait fait un truc très, très bien. Elle avait transformé Blanche-Neige en noir charbon. Et je peux vous dire que Blanche-Neige, ce n'était quand même pas une sainte nitouche. C'était une sacrée fille. Bon, là-dessus, l'idée m'était venue aussi d'un humoriste américain, je crois, qui transformait comme ça des légendes, et il avait transformé le petit chaperon rouge. Alors, le petit chaperon rouge, au lieu de se faire manger par le grand méchant loup, à la fin, quand le grand méchant loup commence à s'approcher, il sort un pistolet, il descend le loup. Bon, si vous bousculez la légende, d'un seul coup, vous devenez autre chose, vous ne subissez plus le modèle, vous le transformez. Et c'est exactement ça le but de l'éducation, c'est de transformer. Et en le transformant, on se transforme. Donc, la finalité, qu'est-ce que c'est? La finalité, ben, ni plus ni moins, c'est le don. Le don. Comme je disais aux élèves, on n'apprend pas pour recevoir, on donne. C'est très, très important, ça.
De même qu'on on ne mémorise pas pour se mettre des choses du passé dans la tête, on mémorise parce qu'on va s'en resservir dans le futur. C'est pour ça que les enfants ont une mémoire prodigieuse, parce qu'ils ont un futur énorme devant eux. Et c'est hélas pour ça que beaucoup de vieux n'ont plus beaucoup de mémoire, parce que quand ils n'ont pas grand-chose devant eux, ben, ils n'ont pas beaucoup à stocker en prévision. Eh bien, apprendre, c'est pareil. Apprendre, ça n'est pas recevoir, c'est donner. Tout ce que l'on donne est acquis. Et là, évidemment, Michel Serres l'a dit 1000 fois mieux que moi. Il a expliqué, quand je donne mon savoir, je ne perds rien. Après, on est deux à avoir la connaissance. Et puis les deux vont devenir quatre, les quatre vont devenir huit. Autrement dit, l'enseignement, c'est extraordinaire. C'est quelque chose qu'on donne et qu'on ne perd jamais. Au contraire, ça vous revient de façon extraordinaire. Je disais aussi, par forme de provocation, en début d'année, vraiment, au premier cours, je commençais quelquefois mon premier cours, je regardais les élèves, un petit peu l'air mystérieux comme ça, l'air de les découvrir, et je leur disais, « Bon, alors, qu'est-ce que vous allez m'apprendre cette année ?» Alors, les élèves disaient, c'est vous qui allez nous apprendre. « Ah non, moi, je suis venu pour apprendre, donc vous êtes prié de m'apprendre. » Alors, c'était un petit jeu, toujours dans le sens du jeu. Autrement dit, « Qu'est-ce que vous allez me donner ?» Et ça, c'était très important. J'étais très exigeant pour ça. Quand ils me faisaient des productions écrites, je leur disais, faites-moi réfléchir, faites-moi rire, faites-moi pleurer, faites-moi peur, mais faites-moi quelque chose. Si à la fin de votre production, ce que j'ai lu, j'y suis complètement indifférent, il ne se passe rien. Autrement dit, ça veut dire que j'espérais que chez eux aussi, ils venaient déclencher des désirs chez moi. Il y avait un jeu de balance entre les deux. Et c'est comme ça qu'à travers tout ce système, enfin, j'ose pas appeler ça un système, ça m'ennuie parce que ce n'est pas un système, c'est une pratique, c'est une hygiène de vie, je ne sais pas comment on pourrait l'appeler, comme ça que j'ai essayé de déclencher les bons désirs, et l'expérience me montre que bon, j'en ai déclenché quelques-uns d'assez bons désirs. Et j'aimerais bien terminer sur cette magnifique phrase de Simone Veil, « L'intelligence ne peut être menée que par le désir, absolument ». Le désir, c'est ce qui amène l'intelligence, c'est ce qui rend intelligent. Et en déclenchant les désirs que je déclenchais, j'avais parfaitement le sentiment de les rendre plus intelligents, et moi-même aussi. Je terminais souvent ma classe en leur disant, pas souvent, mais enfin, un certain nombre de fois, je leur disais, « Ah, combien de synapses avez-vous formé pendant mon cours ? Si vous n'en avez pas formé beaucoup, ça n'a pas donné grand-chose. » Toute l'énergie qu'on avait pu donner, ça se transformait en intelligence. D'ailleurs, j'ai toujours pensé que la réussite d'un cours, ce n'est pas l'inspecteur qui pourra jamais vous le dire, il suffit de mettre un thermomètre. Si la température a bien monté dans la classe pendant l'heure, c'est qu'il y a eu énormément de bonnes activités. Parce qu'un cerveau qui travaille chauffe énormément. Donc, quand on terminait, qu'on avait bien chaud à la fin du cours, on disait « Ah, probablement qu'on est tous un peu plus intelligents ». J'aimais bien terminer sur cette image. D'ailleurs, je vais terminer sur cette image. J'ai essayé d'être pas trop long parce que j'aimerais bien laisser la parole aux questions et simplement signaler que ce que je vous fais là, c'est un résumé très concentré de ce que j'ai essayé de mettre dans ce petit livre, et pas bien gros, ce petit livre qui s'appelle « L'alter de mon ego », dans lequel je redonne un peu les grandes lignes de ce que je viens de vous expliquer et je m'appesantis un petit peu plus sur ma pratique. Qu'est-ce que j'ai fait en classe? Parce que ce qui était important, c'était de partager cette pratique, d'autant plus que maintenant, je ne pratique plus. Je suis un petit peu sorti. Et là aussi, un petit coup de chapeau, l'alter de mon ego, ça a été inventé par un ancien élève à moi. J'ai gardé quelques contacts avec eux. On cherchait un titre, on n'arrivait pas jusqu'à l'alter de mon ego. Et bien, c'est exactement ça, l'empathie, c'est la part de l'autre en moi. Et si vous retirez la part de l'autre en moi, ben, il ne reste plus rien. Il reste moi. Ce qui n'est pas grand-chose. Donc voilà, j'espère que mon propos vous aura intéressé. Et là, moi, je suis très, très intéressé par vos questions. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Joël. Donc, je ne sais, Christine. Christine, Oui. Christine Orsini. On n'entend pas Christine, son micro est coupé. Ah, Christine. Christine, pourrais-tu ouvrir ton micro?
problème technique. Oui, il y a un petit problème. Il me semble que le micro est ouvert. C'est bon, c'est bon, non ? Voilà, on va arrêter le partage d'écran surtout. Oui, voilà. oui, très bien. Alors, petite remarque personnelle, j'ai été enchantée parce que c'est absolument merveilleux d'entendre quelqu'un parler d'une pratique qui a enchanté probablement des générations de ses élèves et qui l'enchante rétrospectivement encore. Par contre, cette conférence girardienne me paraît justement assez peu girardienne. Finalement, quand on est girardien, on parle que d'apocalypse et de catastrophe. Et là, on a un bouffé d'air. La dernière fois qu'on était confrontés, les girardiens, à des mossiens, on nous disait, les girardiens, enfin, Girard ne voit que le côté sombre de l'existence. Il n'a visiblement pas prêté assez attention au côté lumineux. Mais je me demande si vous connaissez, parce qu'effectivement, vous développez le côté lumineux du mimétisme. Il n'y a pas de rivalité dans vos classes, il n'y a pas de difficulté, tout va bien. Je fais tout de suite des réponses. J'ai échangé quelques courriers avec René Girard de son vivant. Malheureusement, nous avons essentiellement parlé de Shakespeare, parce que comme ma passion première, c'est Shakespeare, et à la suite des Feux de l'Envie, j'avais plein de choses à lui dire et il avait des choses à me répondre. Et on a très peu parlé d'éducation. Pourtant, je lui avais envoyé mes premiers livres. Il me semble qu'il avait dit qu'il l'avait lu, mais ça n'a donné rien par la suite. Bon, alors, pour vous rassurer, il y avait aussi du très mauvais... Non, il faut m'inquiéter, au contraire. Il y avait du très mauvais mimétisme dans mes classes, évidemment. Là, mais oui, parce que vous mettez des enfants en compétition et c'est épouvantable. Je veux dire que vous avez une toute petite société dans laquelle vous n'avez que des rivaux qui sont censés arriver au même but ensemble. Enfin, ça peut être une galère effrayante. Mais par contre, grâce à René Girard, j'avais les armes pour me protéger et pour défendre aussi un peu les élèves. En particulier, j'avais évoqué au début de ma causerie le problème du bouc émissaire, c'est-à-dire dans une classe, c'est ce qu'on appelle la tête de Turc. Bon, c'est évident qu'il y a des têtes de Turc dans toutes les classes. Bon, et quand je tombais, parce qu'on le découvre très très vite, et quand je voyais que tel élève était tête de Turc, garçon ou fille, hein, ça dépend sur qui ça tombe, alors là, moi, j'étais intraitable. Parce qu'on riait beaucoup dans mon cours, il y avait de la musique, on faisait plein de choses. Mais sur ça, j'étais intraitable. Toute espèce de forme de discrimination, de toute nature que ce soit, il y avait blocage instantané. J'essayais même pas de discuter. Alors là, quand je disais que l'autorité, si ça, là, c'est une autorité autoritaire. J'ai dit non, ça, c'est pas possible. Vous ne faites pas ça. Et je pense que j'ai dû protéger quand même un certain nombre de gens de ce genre de choses. Encore une fois, parce que j'étais tellement convaincu, enfin j'avais parfaitement compris la bouc-émissairisation, c'est pas facile à dire, que ça m'a sauvé la vie, et ça a sauvé peut-être la vie de quelques-uns. Je vais vous raconter une anecdote, je crois que je vous l'avais déjà. J'avais un élève, une année en seconde, c'était alors la tête de Turc idéale. On avait l'impression qu'il était venu pour être ça. Un peu faible, un peu grincheux, un peu ci, un peu ça, ça n'a pas manqué. Au bout de 15 jours, tout le monde était sur lui. Alors là, j'ai été, mais à lui, avec lui en particulier, j'ai été son bouclier, j'ai été sa défense, tout en faisant en sorte de ne pas avoir l'air de le transformer en le petit chouchou de la classe, parce que ça, c'est encore pire. Faire le petit chouchou, c'est aussi une bouc-émissarisation. Donc, avec un certain nombre de procédés, et je me suis dit, est-ce que je suis arrivé à quelque chose ? Et c'est lui qui m'a fait un cadeau, parce que les élèves m'ont fait des paquets de cadeaux, en réalité. Quand je disais qu'il fallait qu'il me donne, il me donnait beaucoup. Et à la fin de l'année, en seconde, on faisait des vidéos. Et donc, il y avait des vidéos organisées, puis à la fin, ça se terminait par une vidéo libre. Ils faisaient leur petite vidéo tout seul. Je les visionnais, et une fois que je les avais visionnés, on les présentait à toute la classe. Bon. Et qu'est-ce qu'il me fait comme vidéo ? Il se met face à la caméra, et il explique à la classe, parce qu'il savait que la classe verrait sa vidéo un jour, il explique tout ce qu'il avait subi pendant toute l'année. J'étais, mais catastrophé, en me disant, mais qu'est-ce qui se passe ? Et il termine sa vidéo, comme ça, il ne bougeait pas, et puis il avait le bras dans le dos, il se retourne, et il avait une rose dans la main, et il dit, je ne vous en veux pas, on peut quand même être amis.
un déluge me tombe sur la tête et je me dis, mais je ne peux pas montrer cette vidéo au reste de la classe. C'est épouvantable. Ils vont me casser les meubles ou quelque chose. Bon, je vois l'élève en question. J'ai dit, écoutez, de toute façon, je ne montre les vidéos qu'avec votre permission. Il n'est pas du tout question que j'exhibe les vidéos, ni rien du tout. De même que, d'une façon générale, toutes leurs productions, je les leur rendais. Je n'ai jamais rien gardé pour moi. À grand regret, parce qu'ils m'ont écrit quelquefois des choses magnifiques. Donc, je lui dis, est-ce qu'on montre la vidéo? Il dit, oui, j'y tiens absolument. J'ai montré la vidéo dans une classe. C'est tombé dans un silence de mort ou d'autre chose, je ne sais pas. Un silence religieux, je ne sais pas. En tout cas, malheureusement, c'était la fin de l'année. Les choses se sont passées toutes seules. Et je pense que l'élève, s'il ne s'est pas réconcilié, en tout cas, il n'est pas parti l'ennemi complet du reste de la classe. Eh bien, c'est lui qui a fait sa thérapie, d'une certaine façon. Mais merci René Girard, si je n'avais pas compris le principe du bouc émissaire, je me prenais les pieds là-dedans. Voilà. Donc, vous voyez, toute la partie rivalité, agression, violence, j'en tenais compte, je le savais ce que c'était. Parce qu'on parle de harcèlement avec les téléphones, des harcèlements, il y en avait tout. Quand j'étais petit, j'ai été harcelé, moi, quand j'étais en primaire. Bon, ça a toujours existé, c'est bête comme le monde. Mais avec le filtre du mimétisme, et puis tout ce à quoi ça correspond, on peut avoir des moyens d'agir, très certainement des moyens d'agir. Mais évidemment, j'ai surtout utilisé le bon désir, d'une façon générale. Bon, est-ce que l'assistance, qui est nombreuse, a des questions à poser à Joël? Oui, faites signe. Prenez la parole directement. Il suffit de brancher le micro et de parler. J'en ai une qui est dans la suite de ce que vous venez de dire à propos de cet élève, ou de ce que vous disiez de l'élève qui était le bouc émissaire dans une classe de manière générale. Ce que je trouve remarquable dans cette histoire de la rose après sa présentation en caméra face à face, c'est que on voit là exactement l'illustration du rôle que joue le Christ comme bouc émissaire consentant. C'est-à-dire qui, à l'inverse d'un bouc émissaire qui se laisse expédier à l'extérieur, part du principe « ma vie, nul ne la prend, c'est moi qui la donne », et c'est par là que se produit la mutation du bouc émissaire qui reconstitue une société apaisée. Et je trouve qu'on a tout ça qui est très bien exprimé dans les livres de notre ami théologien, James Allison. Qui le traduit remarquablement. Mais votre exemple est très frappant parce que c'est exactement cela, c'est le bouc émissaire consentant. Absolument. Mais la chose merveilleuse, c'est que je ne suis pas parti de la théorie, je ne suis pas allé fabriquer ce scénario, c'est l'élève lui-même qui a pris ça en charge, mais ce que vous dites est absolument authentique, absolument. Oui. Et c'est sûr que j'ai souvent été interrogé dans mon comportement par beaucoup de parallèles avec le christianisme. Sauf que j'étais en établissement public, je n'ai pas à sortir mes croyances devant tout le monde, mais c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses qui se recollent, absolument, absolument. Et là, ce que vous expliquez, c'est en un trait, c'est définitif, c'est parfait, oui, bien sûr. Merci. Je vous en prie. D'autres questions? Et j'en ai une. Quand il y avait bouc émissarisation, vous disiez que vous interposiez pour tout de suite refuser. Mais est-ce que vous expliquiez aux élèves vraiment le phénomène? Ah. Là, vous posez une question terrible. Parce que j'enseignais, mais est-ce qu'il fallait qu'en même temps j'explique mon enseignement? Alors, oui, un tout petit peu. Parce que sinon, on tombe dans de la justification à tout bout de champ, on n'en sort plus. Simplement, quand je sentais que disons, ma pratique perturbait beaucoup de monde, en général, elle perturbait davantage mes collègues que mes élèves, hein, je dois dire, parce que mes collègues ne comprenaient pas ce qui se passait. Bon, mais peu importe, puisqu'ils n'étaient pas dans ma classe. Les élèves, en général, je me donnais jusqu'à Toussaint pour que ça accroche. Il y a des classes avec qui, à Toussaint,
Ils avaient tout compris. Mais je ne faisais pas d'explication a priori. Je leur disais simplement, si vous avez des questions, vous posez des questions. Bizarrement, j'en avais pas beaucoup. J'étais obligé de les solliciter. J'étais même quelquefois agressif dans la sollicitation. Je donnais un exercice. Bon, je disais, c'est pour demain. Bon, alors, ils écrivaient pour demain. Et personne ne discutait. Je dis, mais il n'y a personne qui discute mon exercice. Vous ne savez pas pourquoi je vous le donne. Vous ne savez pas comment je vais le noter. C'est un acte arbitraire de ma part. Ça vous est égal. Vous prenez ça comme ça en pleine figure et c'est tout ce que ça vous fait. Vous voyez, j'allais à la provocation. Bon, alors, au bout d'un moment, il y a les petits malins. Parce qu'il y a toujours les petits malins qui vont plus vite que les autres. Donc, dès que j'avais donné un exercice, il y avait un en particulier. Il s'appelait Jérôme, je m'en souviens. Il fait la main. Ah, monsieur, j'ai une question. Ah, au moins, il y a une question. Ça, c'est intéressant. Bon. Donc, je justifiais pas ma pratique, d'autant plus que pendant très longtemps, c'était de la pratique. Moi, j'ai mis ça en forme et j'ai écrit des livres après, mais je n'ai écrit des livres qu'à la fin de ma carrière. Enfin, j'ai commencé à écrire mes livres à la fin des années 90, des années 2000. Donc, j'avais déjà une pratique bien longue derrière, si vous voulez. Par contre, il ne fallait rien laisser dans l'obscurité. Toute question mérite réponse. Et j'avais quelquefois des questions embarrassantes, mais je dis, les questions doivent pas... Il n'y a pas de tabou. Il n'y avait pas de tabou. J'avais même organisé, mais je ne l'ai pas fait trop systématiquement, j'avais même organisé quelquefois des séances, alors en anglais, comme ça on faisait au moins de l'anglais, tout ce que vous avez voulu savoir sur le prof sans avoir jamais osé lui demander, j'avais recopié un titre de film de Woody Allen. Bon, et là, j'ai eu des questions quelquefois, mais directes, hein, mais directes. Ce qui prouve que les élèves étaient parfaitement conscients de ce qui se passait. Mais d'abord, les élèves sont intelligents. Les enfants sont beaucoup plus intelligents que les adultes, d'une façon générale. Et les adolescents, heureusement, ne sont pas encore perdus. Donc, je découvrais des questions invraisemblables. Sauf que de temps en temps, il fallait que je m'accroche parce que je leur disais, écoutez, là, vous êtes sûr que vous me posez cette question-là? Ah ben oui, monsieur. Bon, alors, je répondais. Je n'ai jamais échappé. J'ai toujours répondu. Et sur la justification de ma pratique, oui. Et merveille des merveilles. Alors là, ça, c'est, par contre, c'est une merveille. J'ai jamais eu de contestation des parents. Parce que j'avais des façons de faire quand même un peu bizarres. Je faisais de la musique, je faisais de la vidéo, Attendez, on faisait des échanges de cassettes avec des ados, puisqu'ils se filmaient, et puis voilà. Bon, et je me suis dit, un jour, ça va m'arriver dans la figure. Une fois, c'est le proviseur adjoint qui m'a repris de voler en disant, non, monsieur Lyon, bon, j'ai dit, écoutez, il ne s'est rien passé. Bon, j'ai traversé ma carrière, il ne s'est rien passé. Je n'ai jamais eu d'ennui de personne du côté des parents. Juste une fois, j'ai eu une mère qui m'avait demandé un rendez-vous. Bon, j'y vais. Alors, je lui dis, madame, mais qu'est-ce qui se passe? Votre fils ne présente pas beaucoup de difficultés. Ben, écoutez, je viens vous dire qu'il est heureux à l'école, c'est grâce à vous. Bon, je suis pas, écoutez, ce n'était pas la peine de vous déranger pour ça. Merci beaucoup. Bon, non, les parents n'ont jamais... J'ai pas eu de contestation du côté de moi. Bon, je sais aussi pourquoi. C'est les élèves retournaient à l'école, à la maison, en disant on a un prof formidable. Les parents disent bon, ça suffit, on ne veut pas en savoir davantage. Et puis bon, on s'arrangeait entre nous. Voilà. Bon, Il me semble que. Je ne sais pas si j'ai la parole. Je peux vous poser une question. Oui, on vous entend. Ah. Intervenir. Bonjour, je suis très touchée par votre enthousiasme et l'énergie avec laquelle vous évoquez. Très bien, bah tu le mets où tu peux. Tu le mets par terre, hein, c'est chaud. Tu le mets par terre. Bon. Oui, alors, pardon, on vous écoute. D'accord. Je pensais que j'étais en concurrence avec quelqu'un d'autre pour prendre la parole. Je suis touchée par votre enthousiasme et l'élan que vous mettez. Dans ce que vous exprimez, et je suis curieuse de savoir quel impact, parce que vous avez très brièvement évoqué vos collègues, quel impact et quelle contagion aviez-vous ou essayez-vous d'avoir auprès de vos collègues pour que cette transformation que vous faisiez dans votre classe puisse déteindre sur le reste. La question est brûlante. Alors là, heureusement, merci Girard, parce que effectivement, je me suis trouvé en rivalité avec des collègues et ça ne pouvait que mal se passer.
Parce qu'avec les collègues, par contre, j'étais à parité. Avec les élèves, il y a de toute façon un espace naturel. Mais avec les collègues, j'étais en rivalité. Et là, difficulté. Bon, ça s'est résolu de la façon la plus simple du monde, c'est-à-dire que on n'échangeait pas trop dessus. Moi, j'ai toujours invité les collègues à venir dans mes classes en disant bah, « Écoutez, venez voir si vous êtes curieux. Bah, » Personne n'est jamais venu. J'ai organisé des stages académiques. J'en ai organisé cinq stages académiques sur ma pratique, en particulier l'emploi de la musique, l'expression, machin truc. Pas un seul collègue ne s'est inscrit dans ces stages. J'ai eu des tas de gens passionnants de partout. Bon, j'ai compris très, très vite qu'on était trop proches, donc ce n'était pas la peine de chercher la confrontation. J'ai eu une fois une confrontation vraiment directe avec une collègue, et là aussi, merci Gérard, parce que sinon, on allait vraiment être tellement rivaux que ça pouvait se transformer en quelque chose d'assez méchant. Bon, j'ai joué l'évitement, je n'ai pas insisté. Et quand les élèves venaient me voir, des élèves que j'avais eu une année, et puis qui venaient me revoir l'année suivante en disant « Monsieur, vous ne pourriez pas expliquer à Madame une telle comment vous faisiez ?» Ah, je dis « Non. Non, vous vous débrouillez avec votre prof. Si vous voulez transformer son cours, mais moi, je n'interviens pas. » Parce que, alors là, la rivalité frontale, c'était la guerre. Ça, j'étais sûr de ça. Et encore une fois, merci Gérard, parce que je ne m'en serais pas aperçu si je n'avais pas eu conscience de ça. Hein. Ça peut être très sournois, ce genre de rivalité, très sournois. Mais enfin, je suppose que tout le monde qui travaille en entreprise ou ailleurs, dès que vous êtes à niveau égal, il y a rivalité, il y a dispute, ça devient très difficile. Et c'est pour ça aussi que je demandais toujours à changer d'élève d'une année sur l'autre. Je ne voulais pas qu'il y ait d'acquis, je ne voulais pas que ce soit mes élèves. Ça circulait et puis c'est tout. Moi, j'ai pris beaucoup de précautions de ce point de vue-là, mais ça pouvait se poser hein, comme problème. Je vous remercie beaucoup. Mais je me dis que peut-être que quand vous dites ça circulait, peut-être que vos pratiques circulaient aussi dans le désir des enfants et qu'ils sollicitaient auprès de leurs enseignants une autre façon d'être au monde scolaire. Alors, c'est très difficile, c'est le retour des élèves. Alors, j'ai eu quelques retours, parce que, enfin, attendez, j'ai calculé, j'ai eu plus de 5000 élèves. Alors, sur les 5000 élèves, il y en a une petite poignée qui se trouve être devenue des amis, on peut le dire, y compris quand j'ai dit que j'avais enseigné au Prytanée militaire de Saint-Louis. Alors, attendez, c'était au début des années 70, donc ça remonte à loin. Et bien, j'ai encore des élèves africains, ils n'étaient pas tous sénégalais, mais des élèves africains, avec qui je communique très, très bien. Et là, par contre, il y a eu un retour assez extraordinaire. Mais moi, je ne sollicitais pas le retour. Très, très difficile. Parce qu'un élève ne viendra vous dire, ou une encore moins, « Monsieur, je vous aime ». Ça, un élève ne le dira jamais. Même les filles qui vous le font comprendre, elles vous le font comprendre, mais elles ne vous le disent pas. Par contre, moi, j'étais parfaitement sensible. Je voyais, je percevais des choses. Et je savais quel écho ça avait. Mais c'est tout. Alors, ça passe, alors là, c'est aussi encore du girardisme, ça passe à travers des rites. Et les enfants sont extraordinaires, enfin les enfants, les grands-enfants, sont extraordinaires en matière de rites et comment ils arrivent par des comportements, par des choses, à vous faire comprendre les choses sans vous les dire. Donc, j'ai connu des élèves extrêmement enthousiastes qui ne sont jamais venus me dire qu'ils adoraient mon cours. Même j'étais désolé, quelquefois le mois de juin arrivait et il n'y en avait pas un qui venait me dire « Merci monsieur pour l'année que j'ai passée avec vous ». Jamais j'en ai un qui est venu me dire ça. 15 ans après ou 20 ans après, sur Facebook, ils me disent « Ah là là, on a passé du bon temps avec vous », mais sur le coup, ils ne disent pas. Par contre, dans la classe, il y a des tas de signaux. Alors, chez les garçons comme chez les filles, qui sont en fait des signaux de séduction. Là aussi, alors le pauvre Georges Stenner, il aurait été dans ma classe, il aurait eu très peur. C'est des attitudes de séduction, des sourires, des comportements, des machins. Sauf que moi, ce que je savais, c'était ils étaient passionnés par ma pratique, mais ça ne s'arrêtait pas à moi. Si ça s'arrêtait à moi, je foutais en l'air tout mon enseignement. Donc, c'était aussi pour me protéger que je faisais ça, si vous voulez. Vous voyez ce que je veux dire? Il fallait que je sache que ce qui était désirable, c'est ce que j'avais derrière moi. Vous voyez?
Et si Girard ne me l'avait pas expliqué, moi, j'étais incapable de comprendre cette chose-là. Parce que quand quelqu'un vous fait un grand sourire, vous pensez que c'est pour vous. Ben non, ce n'est pas pour vous. Alors, je vais quand même me faire un petit compliment sur la fin. Dans les réactions des élèves, j'en ai très peu, mais enfin, j'en ai quelques-unes. Une qui m'a quand même vraiment séduite, c'est sur Facebook, un jour, il y a un élève qui m'a dit « Vous étiez une espèce d'ovni, mais vous nous avez tous satellisés. » Voilà, il vient me le dire 20 ans après, et bien c'était ça. Voilà, merci de l'avoir dit. Merci de l'avoir dit. Bonsoir. Oui. Oui, je souhaiterais pouvoir remercier. La grande truc est mis chaud. Et Joël Lignon, très avec fortement. Je suis dans l'enseignement, mais dans un domaine, disons, totalement différent de ce que la plupart des gens, c'est je suis dans les arts martiaux. J'enseigne l'escrime japonais, le kendo. Et j'ai beaucoup aimé ce que vous avez dit. Et moi, nous, on fait essentiellement travailler les corps. Et par contre, on communique un tout petit vocabulaire. Il y a une dizaine de termes à connaître et à sortir. Et ça dure des années à faire passer tout ce qu'on peut et ce qui vient de derrière, c'est-à-dire ce qu'on a reçu. Et on transmet, disons, autant qu'on peut et avec tout, disons, l'enthousiasme qu'on peut essayer d'avoir. Et je salue le Sénégalais que vous avez été, puisque moi je suis maintenant Sénégalais depuis 18 mois. Bravo pour vous. Alors je comprends ce que vous dites. Et le vocabulaire est très important parce que je pense que là, et dans les arts martiaux en particulier, les rites sont très très importants. Et les rites sont très très protecteurs. Moi, j'avais des rituels dans ma classe aussi, si vous voulez. Ils rentraient, il y avait de la musique, il y avait des pauses. Alors, à la limite, je me dis de temps en temps, c'est des manies. Mais je les convertissais plutôt en rites. Et ça, c'est très, très, très important. Et c'est très protecteur. C'est très protecteur. Et en même temps, ça rassurait les élèves. Parce que, comme parle Boris Cyrulnik, qui parle de figure d'attachement, il faut être sécure. Et j'avais fait une année... je ne vais pas en répéter trop souvent, mais j'avais fait une année une espèce de sondage, vraiment, avec mes élèves. Alors, c'était anonyme, j'avais posé des questions, etc. Alors, je vous passe la chose. Mais le résultat du sondage, ça consistait à dire, de la part des élèves, on n'est pas trop sûr de ce que vous faites, mais on vous fait confiance. Moi, c'est tout ce que je demandais. Et au fond, c'est comme ça que ça marche, c'est tout. Et je crois que la confiance, ça, c'est un des éléments indispensables. Il y avait une confiance absolue. Et la confiance, elle se travaille aussi avec un autre rite. Tout ce qu'ils produisaient, je le leur rendais. Je n'ai rien gardé. Je leur disais, ça vous appartient. Vous avez fait une chose merveilleuse, ça vous appartient. Sur 5000 élèves, je ne vous dis pas le nombre de devoirs que j'ai corrigés. J'en ai gardé un. Un. C'était vers la fin de la carrière, je me souviens, c'était une fille qui écrit un truc. C'était absolument merveilleux ce qu'elle m'avait écrit. Et au moment de lui rendre sa copie, je lui dis, j'ai pas envie de vous la rendre, votre copie. Et très gentiment, elle me dit, mais monsieur, si vous voulez, vous pouvez la garder. J'ai dit, ah non, 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 je ne garde jamais ce qui ne m'appartient pas. C'est votre production, ça retourne. Mais je vous demande, très exceptionnellement, la permission de la photocopier. Donc, j'ai photocopié de toute ma vie un devoir, et puis je lui ai rendu quand même, et je jure sur ce que j'ai de plus sacré, que je n'ai pas gardé rien des élèves, et avec des regrets terribles, parce qu'il y en a qui m'ont écrit des choses absolument magnifiques, poétiques, émouvantes, formidables. Et surtout ceux qui faisaient semblant et qui jouaient avec moi, parce que de même que le jeu, je jouais avec eux, mais ils jouaient avec moi. Je me souviens, dans les tout premiers temps, j'étais pas encore très girardien à l'époque, mais dans les tout premiers temps, il y a une élève qui m'avait bien eu. J'avais demandé, racontez-moi, après une longue attente, une émotion qui se produit. Et elle me fait, une élève de seconde, elle me fait un récit formidable que dans sa famille, ils attendaient d'adopter un petit Cambodgien. À l'époque, dans les années, fin des années 70, on adoptait des Cambodgiens. Des Coréens. Ils attendaient un petit Coréen. Alors, elle me raconte comment il prépare la maison, le machin, le petit Coréen qui arrive à l'aéroport. Mais en lisant son texte, j'en avais les larmes aux yeux. Bon, je lui rends.
en la félicitant, et puis je lui rends, puis c'est tout. Et puis quelques jours après, elle était absente. Alors je demande aux autres dans la classe, mais qu'est-ce qui se passe? Elle est absente. Alors on me dit, ah, il y a des problèmes dans sa famille. Alors moi, spontanément, je dis, ben, j'espère que ce n'est pas le petit garçon qu'ils ont adopté. Et il y a sa meilleure copine qui dit, ben, ils n'ont jamais adopté un petit garçon dans cette famille. Elle m'avait eu du début jusqu'à la fin. Mais c'est encore plus formidable, parce qu'elle avait tellement transposé, elle s'était tellement projetée dans ce personnage d'adoptante, qu'elle m'avait eu complètement. Et je dis, jouer avec moi, ça fait partie du jeu, justement. Et il savait parfaitement jouer avec moi. Facile, c'est très facile. À partir du moment où il y a la confiance, ils savent que quand ils m'envoient la balle, je la renvoie aussi, si vous voulez. J'en profite pour répondre à une question que j'ai vue affichée. Comment est-ce qu'on transpose ce que je faisais? Alors, très, très difficile. Quand j'ai fait des stages, je vous dis, je disais aux collègues, bon, à chaque fois c'était des stages, j'avais une trentaine de personnes, je ne sais pas, je leur disais, écoutez, voilà ce que je fais, voilà comment j'utilise la musique, voilà comment j'utilise la poésie, voilà. Maintenant, faites ce que vous voulez. C'est vous qui allez le créer. Parce que si c'est une méthode recopiée, ça va être raté complètement. Je dis, faites selon votre propre imagination, votre propre sensibilité, soyez très sensible aux élèves, parce qu'ils vont venir vous donner des idées, parce que les élèves viennent vous donner des idées. Quand je donnais des sujets au choix, il y en avait toujours un qui disait, oui, mais on pourrait aussi faire ça. Oui. Donc, je n'ai jamais conçu une méthode, et je refuse l'idée même d'une méthode. C'est une pratique, c'est-à-dire c'est un comportement humain. Et je disais à chacun, bon, ben maintenant, avec ça, vous avez aussi la poésie à votre disposition, vous avez aussi la musique, vous avez aussi les mimes, vous avez tout ce que vous voulez à votre disposition. Maintenant, faites-le, c'est tout. Et je sais qu'il y a quelques collègues qui ont suivi, mais en faisant des choses radicalement différentes. Mais c'est bien, parce que moi, j'étais... Encore une fois, ce n'était pas moi le modèle, je proposais des modèles. Et à partir de là, bah, ça a donné des choses, je suppose. Voilà. Est-ce qu'il est possible de poser une question? Est-ce qu'on m'entend? Oui, bonjour Jean-Pierre. Oui, bonjour Joël. Bon, j'aimerais te poser une question qui est double. C'est celle, au fond, on n'en parle pas souvent quand on parle de Girard et de l'imitation, c'est le problème du mal-être, du manque d'être, la difficulté à être, qui est pour moi à l'origine et qu'on escamote trop facilement. Et même si, par exemple, effectivement, on joue à être un autre, bon, moi, je parle par exemple en tant qu'acteur, là, actuellement, je répète le conte d'hiver et le personnage de Léontès, et justement, je dirais que je ferai un jeu de mots de la difficulté à être roi ou de la difficulté à être soi. C'est-à-dire que même si on passe par l'autre, ça, c'est quand même par soi-même. Et ça, je pense qu'il faut aussi se mettre presque à la place de l'élève. Et c'est quand on parle d'insécure, enfin, quand on parle de confiance ou de sécurité, il faut aussi faire place à l'insécurité intérieure de celui qui imite. Parce qu'il n'est jamais tout à fait sûr d'être à la hauteur de son modèle. Et souvent, il y a une formule, donc on se sent inférieur à celui qu'on imite. Et évidemment, c'est pour ça que... Excuse-moi Jean-Pierre, tu avais une deuxième question, mais je vais répondre déjà à celle-ci. Je ne vais pas y répondre, je vais juste donner un exemple. Je sollicitais beaucoup les élèves, et en particulier dans le jeu de l'autoportrait, même autoportrait fictif, tout ce qu'on veut. J'ai eu une fois un cas extraordinaire d'un élève, le super élève, super doué dans la classe de première C, de trucs machin. Il a terminé à Polytechnique, j'ai su ça après. Et il ne m'avait pas remis son devoir. Au moment où j'avais rendu les devoirs à la classe, je m'approche de lui et je lui dis, mais vous ne m'avez pas remis de devoir. Et il me dit, non monsieur, parce que je ne l'ai pas fait. Je lui dis, mais pas vous. Et bien je lui dis, mais pourquoi vous ne l'avez pas fait? Il dit, je suis incapable de me décrire. Je lui dis, mais comment ça? Je ne peux pas me décrire. Bah, alors je lui dis, écoutez, c'est pas grave, on va faire dans le fictif, racontez-moi l'histoire que vous voulez, n'importe quoi, racontez-moi une histoire, l'essentiel que je puisse vous mettre une note. La semaine d'après, il me remet un texte extraordinaire, l'histoire d'extraterrestres transparents qui attaquent la planète et qui essayent de s'incarner dans des humains pour exister. Et au moment où il m'a remis le devoir, il m'a dit, oh, bah, c'est pas grave, hein, j'ai écrit n'importe quoi. Bon, très bien. Et la semaine d'après, quand je lui rends, je lui dis, mais
Est-ce que vous savez que vous m'avez fait le plus beau portrait de toute la classe? Il me dit, mais quoi? Et bien, j'ai dit oui. C'est très exactement ça. Vous êtes invisible à vous-même, vous êtes transparent, vous ne savez pas qui vous êtes et vous désespérez de vous incarner dans quelqu'un. Eh bien, écoutez, c'est très exactement le but de mon enseignement. Cherchez-vous encore, cherchez-vous des modèles. Alors, avec lui, ça s'est terminé par une conversation vraiment personnelle et longue. Mais il était l'illustration même de l'adolescent qui ne se connaît pas. Et les pseudos d'aujourd'hui, les avatars, les tout ce qu'on veut, c'est une génération d'adolescents qui n'existent pas derrière, ou très peu. Et ça, c'est redoutable, parce qu'on ne veut pas leur donner de modèles, ou on leur donne des modèles extravagants, parce que si on voit les vedettes, les stars, machin truc, vous voyez ce que c'est comme modèle, hein, c'est vraiment archi nul. Et la responsabilité des adultes, enfin l'adulte qui vous dit, je ne veux pas l'influencer, mais influencez-le, s'il vous plaît, faites quelque chose. Enfin, vous voyez, avec toute la prudence que ça représente. Mais un adolescent qui ne sait pas qui il est, il y en a, j'en ramassais par brassée. Deuxième question. Non, je disais aussi qu'au fond, l'apprentissage, c'est aussi un parcours. C'est apprendre à être. Et c'est, voilà, et c'est apprendre d'une certaine manière à être soi, à s'assumer, à se réconcilier avec soi-même. Donc, en se réconciliant avec soi-même, on se réconcilie avec l'autre. Et on apprend à être quelque part entre tout et rien. Parce que tu as parlé tout à l'heure de Victor Hugo qui voulait Chateaubriand ou rien. Et ça, c'est terrifiant. C'est l'alternance psychotique entre le tout et rien. Et ça, le mimétisme y est particulièrement, exposé. Bon, évidemment, quand on est roi, quand on essaye d'incarner un roi, par exemple, on y est aussi particulièrement exposé. Et Shakespeare a une très, très belle méditation sur la difficulté à être roi ou à incarner les figures d'autorité. Bon, ben, je pense au discours d'Ulysse sur Agamemnon C'est une contradiction. Mais c'est même plus qu'une contradiction, c'est un double bind. C'est-à-dire qu'il faut se choisir un modèle un peu au-dessus de soi, mais pas loin, 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 qu'on n'y arrive jamais. Et ça, le choix du bon modèle. Alors, encore une fois, je sais que, mais de façon très, très indirecte, il m'est arrivé de l'orienter quelquefois. Mais c'est très difficile, c'est la chose la plus délicate qui soit. Mais il n'y a pas que le choix du bon modèle, il y a quand même la responsabilité du modèle vis-à-vis de ça. Ah oui, totalement. Enfin, ça amène très loin. Mais il se trouve que moi, j'étais dans la tranche d'âge où ça se définit vraiment tout à fait, puisque de la seconde à juste après bac, c'est là où ça se définit. Hein. Et donc, j'avais un terrain passionnant. Mais bon, encore une fois, je n'étais pas psychologue, je n'étais pas psychanalyste, je n'étais rien du tout. Je faisais ce que je pouvais avec mes petits moyens, ma poésie, mon anglais et ma musique. Hein. Il y avait d'autres questions, il me semble. Oui, il y a beaucoup, beaucoup. Il y a beaucoup de questions, énormément de commentaires. Je ne sais pas, peut-être j'en prends une, là, la dernière de Amama, la question de la motivation est avant tout celle de la démotivation. Autrement dit, au lieu de chercher des sources de motivation, le vrai problème n'est-il pas de faire en sorte de ne pas démotiver? Alors, oh là là là, alors, c'est pas, je ne vais pas faire ma pub, mais c'est mon prochain livre, ça. C'est mon prochain livre et c'est dramatique. Je pense qu'en plus, nous vivons une époque que j'appelle, moi, la crise du désir. Il y a une crise du désir. Le désir lui-même étant tellement sursollicité qu'il est anéanti. Et il y a objectivement une crise du désir. Mais bon, le livre n'est même pas encore sorti, donc guettez quand il va sortir. Mais c'est fondamental. Alors, vous appelez ça de la démotivation. Moi, j'appelle ça… attendez que je retrouve le mot. Zut, ça m'échappe tout de suite. Quand on n'a plus de désir… C'est une espèce d'aphasie, si vous voulez. C'est redoutable. Or, beaucoup d'adultes, mais encore plus d'enfants, ont été déconnectés, démotivés. C'est pas suffisant. On leur a cassé les désirs et ils sont perdus. En particulier, les enfants gavés. C'est-à-dire que, compte tenu qu'ils n'ont jamais vécu dans le manque, ils ne savent pas ce qui leur manque, littéralement. Vous savez, c'est la fameuse phrase des parents, « je ne comprends pas, je lui donne tout ce qu'il veut ». Ben, commencez par supprimer une partie des choses que vous lui donnez, puis ça va aller mieux. Mais c'est effrayant de la part des parents de dire « je ne vais pas lui donner alors qu'il me le demande ». Mais c'est pourtant ça. Si vous n'éduquez pas le désir, vous l'envoyez sur une piste noire sans protection. C'est grave, hein, vous voyez.
Et je crois que ça va plus loin. C'est notre société qui ne fabrique plus, qui ne sait plus fabriquer du désir. Et ça, ça m'a pris beaucoup de temps. Je vous dis, j'en ai fait un bouquin qui n'est pas encore sorti, mais ça peut aller très, très loin. Très, très loin. Alors, la démotivation, ça suffit pas tout à fait. Et d'ailleurs, dans mon livre, je cite aussi Teilhard de Chardin, qui pense à un avenir radieux, et il dit cet avenir pourra se produire sauf si les humains cessent d'en avoir envie. Et la possibilité qu'on cesse d'en avoir envie, là, en ce moment, on est dans une crise terrible, parce que c'est une petite crise de coronavirus, mais il y a des paquets de crises tout autour. Ça décourage beaucoup de monde, et si on n'a pas l'envie d'en sortir, on n'en sortira pas. Ça peut s'arrêter là, ça peut être grave, grave, grave. Et alors moi, j'ai fait ce que j'ai pu, j'ai envoyé du désir autant que j'ai pu en fabriquer, et de temps en temps, ça ne marchait pas. Je sais que ça marchait, quelle était la durabilité de la chose ? Je ne sais pas, après. Peut-être, je sais pas. Peut-être que Lionel Navarro pourrait reprendre... par rapport à cette question qui... Ah, j'ai trouvé le mot que je cherchais, la perte de désir. Ça s'appelle l'acédie. Et l'acédie, c'est un terme chrétien, c'est-à-dire c'est la perte de la foi, si vous voulez, mais transposée au niveau du désir, de même que le chrétien, les saints, il y avait un certain nombre de saints qui n'avaient plus la foi d'un seul coup. Prenez Thérèse de Lisieux, des gens comme ça, qui voyaient Dieu disparaître et qui étaient dans des angoisses absolues. Et bien, on est dans la même chose avec nos désirs. D'un seul coup, les désirs fichent le camp, on n'en a plus. Et on comble ça par des drogues, par exemple. Les drogues, c'est typiquement la sensation de quelque chose de désiré qui arrive sans le désir. C'est épouvantable. On a malheureusement des fausses solutions qui ajoute au problème. Vous voyez ce que je veux dire ? Bon, j'ai essayé, de pousser le plus vers des bons désirs. Je ne sais pas ce que j'ai fait ce que j'ai pu. Hein. D'autres questions ? Oui, Joël, bonjour. Oui, bonjour. Quelle différence fais-tu entre bienveillance et empathie ? Ouh là, c'est le début de l'exposé. Ah, c'est très, très compliqué. Alors, la bienveillance, essayer de répondre vite. La bienveillance est une partie de l'empathie. L'empathie, c'est très, très large. Quand j'ai défini l'empathie comme l'image de l'autre en soi, alors la bienveillance, c'est la bonne empathie d'une certaine façon. Alors, il y a l'empathie, comment je vais faire ? Je vais prendre deux extrêmes. On confond quelquefois l'empathie avec la commisération. Ah là là, que je souffre avec toi, je ressens tout ce que tu ressens. Bon, admettons. Mais ça peut être l'inverse. Je peux être dans un état d'euphorie en même temps que toi. Ton euphorie est communicative. Et puis d'ailleurs, ça arrive comme ça. D'un seul coup, on se met à rire quand les autres se mettent à rire. Et il y avait un exposé sur le blog de l'émissaire là récemment là-dessus. L'euphorie est extrêmement communicative. Et ça, c'est de l'empathie aussi. Et on ne sait pas pourquoi d'un seul coup, on se met tous à rire. Et puis, on ne sait plus s'arrêter. La bienveillance, c'est ça. La bienveillance, c'est la bonne empathie. Mais il y a aussi de la mauvaise. On peut, à partir de là, chercher à nuire, chercher à abuser. Parce que quand on rentre dans les ondes de l'autre, on peut créer des choses épouvantables, épouvantables. Mais la bienveillance, oui, c'est un des aspects, absolument. Mais si je parle maintenant de l'euphorie partagée, on va me dire encore, je suis toujours du côté du positif. Mais oui, il y a des choses extraordinairement positives dans l'empathie, le désir. Il y a d'autres questions, merci beaucoup. Oui, bonsoir, Lionel Navarro. C'était une question. Je vous ai écouté attentivement. Je suis professeur en lycée professionnel en lettres histoire. Et le monde du lycée professionnel est quand même assez différent par rapport aux établissements généraux du secondaire. Moi, ce que j'ai découvert, trouvé et vu qui s'est installé, c'est la séparation et les tentatives de la part des professeurs pour essayer de récupérer les élèves vis-à-vis de l'objet de l'école, lycée professionnel, c'est-à-dire de former des jeunes gens pour avoir un travail, et puis la réalité sociale.
avec des élèves qui voient les taux de chômage, qui voient les parents être eux-mêmes en situation difficile. Et ce qu'ils nous disent, la question qu'ils nous disent, c'est en quoi est-ce que ça nous est utile, que ce soit dans les matières générales et puis dans les matières professionnelles. Et c'est, comme vous avez parlé du désir d'être un modèle pour les élèves, c'est extrêmement difficile parce que la société leur parle d'autre chose que de connaissances, que de désir, de jeu, de découverte de soi. Quand je leur demande qu'est-ce que vous voulez faire plus tard, c'est « je veux être riche ». Donc, cette question du désir, elle est très difficile parce qu'on désire une matière, on désire des connaissances au travers du professeur. Moi, à l'âge de 13 ans, je savais que je voulais devenir prof parce que j'avais eu un prof de français de 60 ans qui nous a déclaré « n'ayez pas peur des mots ». Et ça a été un éblouissement pour moi. Je me suis dit « bon, je veux devenir Madame Nesme », puisqu'elle s'appelait Madame Nesme. Alors donc, le mimétisme en classe, c'est un vrai combat, c'est extrêmement difficile. Et puis, l'éducation nationale ne nous aide pas, parce que tout ce que vous annoncez, les inspecteurs et inspectrices de l'éducation nationale ne le veulent pas. Donc, alors... Attendez, vous posez plein de questions. Alors, oui, c'est ma question, c'est... c'est une question de constat, c'est-à-dire le professeur ou la professeure aujourd'hui, elle est confrontée à plus grand que sa classe. Absolument, mais c'est la chance aussi. Alors, je vais répondre juste à deux éléments. D'abord, une chose que vous avez, avec laquelle vous avez terminé à propos des inspecteurs. Bon, moi, les inspecteurs, c'est simple, je ne les ai pas vus dans ma carrière. J'ai dû en passer un ou deux de temps en temps, mais je ne les ai pas vus. Et quant à l'administration, j'ai eu une paire royale, parce que c'est très facile d'avoir la paire royale avec l'administration. J'étais jamais en retard, j'étais rarement absent, il m'est arrivé d'être malade quand même, je rendais les notes le jour qu'il fallait, les bulletins étaient bien remplis et je n'envoyais jamais un élève à l'administration quand j'avais des problèmes. Quand j'avais des problèmes avec un élève, je les réglais avec l'élève ou avec la classe, enfin bon. Donc, j'étais le prof parfait puisque je n'embêtais pas l'administration. Du coup, l'administration m'a laissé une paix royale tout le temps de ma carrière. Mais bon, il faut opter là-dessus. Maintenant, la question que vous posez, c'est à quoi ça sert, les élèves qui se posent la question, à quoi ça sert ce que j'apprends? Alors, la question de l'utilité, c'est redoutable, j'ose pas y répondre. Je vais vous faire le commentaire que disait Hannah Arendt, à quoi sert l'intelligence? L'intelligence ne sert à rien. Non, l'intelligence ne sert à rien, mais on ne peut pas faire sans, de toute façon. Et comme je disais qu'il faut décentrer l'élève, vous pouvez les préparer du mieux que vous pouvez pour leur carrière, pour leur machin, et le reste du temps, vous les amenez ailleurs. Quand j'avais des bonnes classes, en particulier les premières C, ce que j'appelle les classes CAMIF, parce que régulièrement, on me donnait tous les enfants de collègues. Comme par hasard, j'avais les enfants de collègues. Donc, à l'époque, c'était les enfants CAMIF. Donc, voilà, j'avais les classes CAMIF. Et alors, redoutables, les bons élèves de première C, parce qu'au début de l'année, ils me voyaient faire, puis ils me disent... Mais monsieur, où est-ce qu'on va avec ça? À quoi ça va nous servir? Et c'était logique, je n'allais pas dire que ils avaient pas, c'était bien qu'ils aient ce souci. Alors, j'arrivais à résoudre ça par la confiance, par une bonne négociation. En particulier, une année avec une classe particulièrement CAMIF, particulièrement demandante, je leur ai dit, écoutez, on va faire un contrat, vous me laissez faire ce que je fais, je vous jure qu'entre-temps, vous allez apprendre de l'anglais. On va faire mes exercices d'imagination, de tout ce qu'on veut, d'improvisation, de musique et de mime. Et à la fin de l'année, le dernier devoir qu'on va faire, ça va être le devoir le plus chiant, le plus scolaire, le plus pénible qui soit possible. Comme ça, on verra si vous êtes capable de passer en terminale. Et j'ai tenu parole, j'ai continué. Et eux aussi, ils ont été très très bien. Ils sont rentrés dans mon jeu jusqu'à la fin de l'année. À la fin du mois de mai, j'ai donné le devoir le plus moche et le plus détestable qui soit, vraiment les questions à répondre, le truc moche, en me disant pourvu qu'ils réussissent quand même. Enfin, je n'avais pas vraiment peur parce que je savais que c'était des classes brillantes de toute façon. Ils ont eu la moyenne de 16, je leur ai dit, mais vous allez pouvoir passer en terminale absolument sans problème. Donc, vous voyez que ça a quand même servi à quelque chose et entre-temps, on ne s'est pas obnubilé sur le programme, sur les virgules dans la phrase. Mais je sais que je déstabilisais beaucoup les élèves. L'idée de les décentrer, ça leur fait très peur. J'ai une petite élève gentille une année
en seconde, mais au milieu du cours. J'étais au milieu du cours. Elle m'arrête et elle me dit, mais monsieur, est-ce que ce qu'on fait, c'est bien dans le programme ? Alors, grand froid et grand silence dans la classe, et je dis, eh bien non, et c'est pour ça que c'est intéressant. Et tous les autres derrière, ils disent, ah oui, 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 on continue. Mais il fallait ensuite que j'aille la rassurer, la fille, parce que elle se dit d'un seul coup, ce prof, il délire, et bien moi, je suis là pour passer en première, je suis là pour aller passer mon bac, etc. Et je leur disais, c'est pas parce qu'on fait un détour comme ça qu'on n'arrive pas au même chemin. Et si en plus de ça, on y a un petit peu de plaisir, c'est pas mal. Peut-être même que… Alors là, ça, c'est de la motivation. Le plaisir, c'est de la motivation. Ce n'est pas du désir. Mais le plaisir, ça peut être de la motivation. Et je leur disais, ça peut marcher. Et j'en ai fini par conclure que le bonheur est une méthode pédagogique comme les autres, mais elle est bien supérieure aux autres. Donc, on travaillait comme ça. Je parlais d'euphorie tout à l'heure, dans une espèce d'euphorie autant possible. Alors, je précise, ce n'est pas de l'euphorie à 100% tout le temps. Il y avait des difficultés, il y avait des classes empoisonnantes, il y avait des élèves qui viennent vous casser le travail. J'ai même eu un élève une fois qui était mimétique avec moi, donc il avait décidé de casser mon cours parce qu'il voyait que j'étais un peu la vedette et il voulait que ce soit lui la vedette. C'était le bouc émissaire, mais dans l'autre sens, c'est-à-dire il ne voulait pas être tête de turc, il voulait être tête de je ne sais pas quoi. Qu'est-ce qu'il a pu casser ma classe ? Un élève brillant, intelligent, mais il a cassé ma classe, hein. Il a fallu que je me comporte comme ça, mais encore, je me suis maintenu. Donc, ce n'est pas toujours rose facile, si vous voulez. Mais, et puis, il y a des moments où j'avais conçu un truc super bien, je me dis, ça va marcher, ça ne marchait pas. Mais dans l'ensemble, il faut toujours viser plus haut. Et je leur disais, un élève, c'est quelqu'un qu'on élève. Si vous savez faire ça, je vais vous demander ça. J'ai même passé des contrats avec des élèves carrément personnels. Une année en seconde, je fais un premier devoir, bon, le premier devoir habituel. J'en ai deux qui me font un truc super. Bon, manifestement, ils étaient presque bilingues, je ne sais pas quoi, super intelligents. J'en ai retrouvé un jour, ensuite en classe prépa, évidemment. Bon, c'était des bons élèves. Et ces deux-là, à la fin du premier cours, je les ai retenus. Je leur ai dit, écoutez, je ne vais pas faire de différence avec vous. On va faire la classe, pareil pour toute la classe. Les devoirs, vous aurez les mêmes que les autres, mais je vous préviens, les devoirs que vous allez me remettre, je vais passer sur rien. Je vais être d'une exigence absolue, je vous corrigerai jusqu'aux majuscules et aux virgules. Est-ce que vous êtes d'accord ? Alors, sur le coup, je leur dis, bon, attendez, je ne vais pas casser votre moyenne. Ce que je veux, c'est simplement, puisque vous êtes bon, je vais vous embêter le maximum. Puisque vous pouvez faire ça, je vais vous demander ça. Est-ce que vous êtes d'accord ? Ils ont dit oui. Ils ont dit oui. Et ça a marché comme ça jusqu'à la fin de l'année. Donc, si vous donnez le bon contrat et si vous expliquez que, bon, il y a le programme, il y a ça, mais on va chercher autre chose, même en histoire, je réponds aux collègues juste avant, je suis sûr qu'en histoire, il y a un milliard de façons de sortir de l'histoire. Une des profs que j'ai adorée, j'y pense parce qu'on est en train de célébrer la commune, c'était une prof d'histoire que j'avais eu en sixième et j'ai eu en première. Elle était communiste, elle était mais surtout d'un enthousiasme extraordinaire et elle nous a fait un cours sur la commune. Mais on a terminé ce cours, elle pleurait, toute la classe pleurait. C'était un truc extraordinaire. Eh bien, c'était son cours d'histoire. Comment elle nous l'avait fait, son cours d'histoire ? Elle l'avait fait avec ses tripes. Et je vous dis, moi, je me souviens encore de son cours, je me souviens encore de cette prof-là. Elle s'appelait Madame Jarry. Donc, quand je dis que j'ai oublié quelques profs, non, il y en a quand même que je n'ai pas oublié. Donc, on peut entrer dans le programme. Alors, moi, c'était de l'anglais. Alors, après, on vient me dire, ah ouais, mais avec l'anglais, tu peux faire tout ce que tu veux. Oui, c'est sûr que moi, j'avais une seule condition, c'est qu'il fallait que ce soit en anglais. Le reste, on s'en fichait. Les gens qui ont des programmes, eh ben, il faut qu'ils s'accommodent. Je ne sais pas, c'est à vous de l'inventer. Moi, j'ai inventé ça pour moi, inventez-le pour vous. Mais l'idée, c'est quand même, il faut sortir du carcan, parce que l'école, c'est un carcan, vous êtes dans une boîte, vous êtes dans des horaires précis, limités, c'est épouvantable en réalité. Or, la vérité, elle est ailleurs. Jeu est un autre, mais le monde est ailleurs. Or, le monde en réduit qu'on a dans la classe, c'est rien du tout, c'est à peine une représentation du monde. Donc, vous ouvrez. Je faisais des textes aussi, comme j'avais été un peu initié à la littérature africaine. Et puis pas que, on a fait des textes africains, on a fait des textes indiens, on a fait des textes de tout ce qu'on pouvait. Ouvrir. Tout ce qui ferme diminue les individus. Et prendre toutes les propositions
que les élèves apportent. Parce que moi, j'avais des élèves de toute origine, hein, donc, parce que Évry, le lycée d'Évry, c'est vraiment très, 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 très mélangé. Donc, j'avais des élèves de toute origine. Et ben, j'ai dit, initiez-moi à ce que vous savez faire. J'ai une élève cambodgienne qui m'a initié à la danse cambodgienne. Quand il m'ouvrait quelque chose, je disais oui. Autrement dit, quand je voyais qu'il voulait susciter un désir chez moi, je me dis, ça y est. Ça fonctionne parce qu'il faut que ça fonctionne dans les deux sens. Il n'y avait pas que ce que je pouvais recevoir, il y avait ce que je pouvais donner. Tout était comme ça. Vous voyez ? Donc, sortez du programme, revenez-y juste pour ce qu'il faut, abordez-le autrement, je ne sais pas. Voilà. Il y a une grande phrase de Shakespeare dans Coriolan qui dit « There is a world elsewhere ». Il y a un monde ailleurs. Il y en a même plusieurs, alors il faut y aller. Bon, ça dit. Bravo. C'est moi, hein, c'est moi qui dis ça. Vous faites comme vous pouvez. Voilà, bon. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Est-ce que je suis encore girardien, là? Oui, parce que je suis dans le désir, complètement. Hein. Je suis dans le désir. Moi, j'aimerais bien poser une question. Oui. En rapport avec la distance que les apprenants peuvent avoir de leur enseignant ou de leur modèle, surtout sur le fait que soit ils sont dans, puisque c'est une médiation interne, ils sont dans un même milieu et ils échangent sur la même matière, pour faire à ce que leur enseignant ou leur modèle leur pointe les savoirs et qu'ils arrivent à avoir la culture après, tu vois, comme tu l'as dit. Oui, c'est la question que vous posez est essentielle. J'avais répondu tout à l'heure, aucune familiarité, ne jamais confondre sa vie personnelle et sa vie d'enseignant. Je m'impliquais énormément, mais les limites… Alors, je vais vous donner un exemple très précis. Il y avait des moments de rupture. Par exemple, quand j'ai fait beaucoup de voyages aussi à l'extérieur. Évidemment, c'est une manie. Hein. Donc, des voyages en toute l'Europe, partout. Alors, pendant les voyages, les classes prépa, je les emmenais au ski. On faisait une semaine de concours blanc à la neige, par exemple. Vous voyez, bon, il faut sortir. Bon, évidemment, pendant les semaines de sortie, toutes les barrières, tous les codes se cassent. Et il arrivait régulièrement qu'à la fin de la semaine, il y avait des élèves qui me tutoyaient, que c'était tout et n'importe quoi. Bon, en plus, moi, j'étais très content parce qu'à ce moment-là, il y a un échange avec les élèves inestimable. Enfin bon. Mais il n'y a jamais eu une exception. Retour en classe le lundi, c'était monsieur, vous. Ils avaient repéré les codes, c'était fini. Je veux dire que si vous avez installer les rites, comme j'ai dit, et si vous les respectez, il n'y a aucun problème. En dehors de ça, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Je parlais de mes fameux élèves africains, les élèves africains que j'ai eus il y a 40 ans et plus. Bon, on était très à distance, mais depuis qu'on se revoit, ils me font des confidences formidables. Je dis, mais oui, évidemment, à l'époque, vous ne pouviez pas me faire des confidences. Mais c'est tout. C'était une discipline pour moi. Ça coûte même un peu de temps en temps parce qu'il y a quelques-uns ou quelques-unes avec qui on voudrait peut-être faire plus, aller plus loin, machin truc. Mais alors l'idée même de devenir copain, alors l'idée d'être copain, c'est pour moi l'abomination. Je dis, je ne suis pas votre copain, je suis votre prof, je tiens à rester votre prof, absolument. On va se dire tout ce qu'on a à se dire, mais c'est moi le prof, c'est vous l'élève, et on ne changera jamais de poste. Ou si on en change, c'est sous forme de jeu. Alors, j'ai des élèves qui, dans les mimes, par exemple, me mimaient. Parce que, bon, évidemment, ça fait partie du jeu. Mais une fois que c'était fini, retour à la case départ, c'est moi à nouveau le prof, c'est lui l'élève, les choses sont rétablies. Tout ça, et les élèves, il n'y a même pas besoin de leur donner les règles du jeu, ils les connaissent parfaitement. Et les règles, alors quelquefois, il faut les préciser, mais la plupart du temps, il n'y a même pas besoin de les dire. Ils comprennent ça très, très, très vite. Et je n'ai jamais eu d'élève qui a eu franchement de familiarité ou de choses. Non, je n'ai pas eu. Donc, alors, est-ce que c'est miraculeux? Est-ce que j'ai eu de la chance? Mettez ça sur ce que vous voulez. Mais encore une fois, je crois que c'est parce que mes barrières, c'est dur de dire des barrières. Non, mes rites étaient parfaitement, parfaitement clairs. Ce qui demande de la part du prof une discipline pour lui-même
terrible, terrible. Je me disciplinais moi-même parce que, comme j'étais obligé de demander des choses difficiles aux élèves, par exemple, je n'acceptais pas que les élèves me rendent des devoirs en retard. Donc, de ma vie, je n'ai jamais rendu, quand j'avais corrigé les devoirs, je leur disais, je les prends aujourd'hui, je vous les rends tel jour. Ben, si je passais une partie de la nuit avant le jour que j'avais prévu de rendre les devoirs, j'y passais la nuit, mais j'avais fait cette promesse, je m'y tenais. Parce que si vous n'avez plus de parole, vous n'êtes plus un adulte, par définition. Alors là, à mon avis, pour moi, c'était pas mal, parce que c'était une discipline pour moi, et j'avais pas le droit de procrastiner, vous voyez ce que je veux dire. Bon, et c'est comme ça que ça se passait. J'ai répondu à votre question un peu. Oui, merci. D'autres questions encore? On a encore un petit peu de temps, Emmanuel? Oh, peut-être encore une dernière question. Mais allez, une bonne question pour la route. Bon, bah, je vais poser la mienne que j'ai mis dans le chat. Déjà, d'abord, merci. Hein, vous m'avez donné envie de retourner à l'école, ce qui n'est pas une mince performance. Hein. Pourquoi est-ce que ce désir d'apprendre, cet éveil du désir d'apprendre dont vous parlez, il passe de prioritaire en primaire, parce que finalement les instituteurs font pratiquement que ça et le mimétisme fait le reste, à absolument nul à l'université. À l'université, moi j'ai eu deux professeurs qui rendaient leurs cours passionnants, tous les autres débitaient leur incroyable savoir au tableau en se fichant pas mal de savoir si on comprenait ou si ça nous intéressait ou... Alors, je n'ai pas toutes les réponses, mais c'est sûr que… Enfin, j'ai un élément de réponse. Moi, je n'ai jamais voulu aller… Bon, j'ai eu des classes prépa, mais je n'ai pas voulu aller dans l'universitaire parce que j'ai senti que les contacts deviendraient très, très difficiles. Ça doit s'inventer, il doit y avoir moyen d'eux, mais je ne sais pas. Par contre, mon investissement, comme je disais juste à la réponse précédente, était absolument total. Quand je disais « j'ai 35 élèves, je fais 35 cours ». Et je savais qu'il y avait un certain nombre de choses que je faisais ou que je disais qui s'adressaient à l'un ou à l'autre. Et parmi les élèves, il y en avait quelques-uns qui savaient que si je disais ça, c'était pour lui ou pour elle. Il y avait une connivence assez extraordinaire. Et même quelquefois, les élèves étaient tellement conscients de ça que je me souviens, c'est le fameux Jérôme que j'ai cité tout à l'heure, qui était très, très drôle. De temps en temps, il y avait une question, les autres disaient « Là, la question est pour Jérôme !» Oui, parce qu'ils avaient tellement repéré mon jeu qu'ils savaient comment. Mais voilà. Et je jouais comme ça. J'avais une partie à 35 joueurs, ce qui est éprouvant et fatigant, mais absolument passionnant. Si vous faites cours pour un seul et vous occupez de personne, vous vous ennuyez déjà et d'une, et vous ennuyez les élèves au dernier degré. C'est pas possible. Alors, on va terminer, puisque vous terminez, je vais terminer par une histoire vraie qui est une vraie légende. Mais c'est une histoire vraie. Comment est-ce qu'on suscite le désir? Une année, je ne sais plus laquelle, parce que je ne sais même plus quel est le nom de l'élève, ni quoi que ce soit, j'étais toujours dans la même salle quand je faisais cours. Ça, c'était la seule exigence que je demandais à mon administration, parce que le fait de me balader, ce n'était pas possible. Les élèves venaient chez moi, ce qui était quand même aussi une partie du rite. Ils venaient chez moi. Bon. Et j'étais en train de faire un cours, et puis... Au bout de 5 minutes, il y a un élève qui rentre dans la classe. Alors, il savait que je détestais les élèves en retard. Ça, ils étaient obligés de faire des excuses, ça les embêtait. Et l'élève prend l'air ahuri comme il pouvait apprendre. Il rase les murs, faire semblant qu'on ne l'a pas vu alors que tout le monde l'avait vu, et il se pose à sa place. Et puis, à ce moment-là, il regarde la classe tout autour, puis il dit « c'est pas ma classe ». Les autres, évidemment, s'en étaient aperçus. Ils explosent de rire. Il sort. Et renseignement pris, et il était venu avec 1 heure d'avance. Et j'ai dit, alors quand je disais, quels sont les signes, comment est-ce qu'il nous remercie? Attendez, il était venu avec 1 heure d'avance. Vous connaissez des élèves qui viennent avec 1 heure d'avance? Donc, alors, je n'ai pas fait de commentaire. Je lui ai dit bonjour quand il est revenu le cours d'après, etc. Il en a conclu ce qu'il a voulu conclure. Mais en même temps, je me suis dit, alors, il était en train de glander dans les couloirs, puis il a dit « qu'est-ce que je fais ?» Je vais avoir cours avec Ilion. Et puis, il n'avait pas cours avec Ilion. En fait, il était venu comme ça. Ça,
c'est des choses assez étonnantes. Bon, c'est des petits miracles. Il y en a eu plein le long du parcours. Mais celle-ci, c'est une histoire qui est jolie, d'autant plus qu'elle est totalement authentique. Et là, je m'en souviens avec plaisir. Mais, désolé pour tout le monde, je ne sais plus qui c'était, je ne sais plus son nom, je ne sais plus sa classe, je ne sais même plus en quelle année. J'oubliais les élèves, j'oubliais le bien qu'ils m'avaient fait, mais j'oubliais qui c'était. Je suis désolé. Non, il y en a d'autres qui m'ont fait d'autres cadeaux, mais je ne vais pas rentrer dans les cadeaux, là, ça va. Merci beaucoup, Joël. Tu as une foule de remerciements dans les commentaires. Ah, bon, tant mieux. Et Jean-Marc Baudin te dit, merci Joël, maître, est-ce contagion bienfaisante? Et c'est bien ça. Ah, le désir est contagieux, ça c'est sûr, oui. Absolument. Merci à tous, en tout cas, de votre attention. Merci beaucoup à tous aussi, oui. Au plaisir, bonne soirée à tous.